Ouais, mais avec toi, on sait jamais si t'es sérieux ou non, du coup, bah, je préfère. Oh, bah, j'ai cru remarquer, effectivement. C'est du bigard level, ça, monsieur. Là, 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 là! Ça, c'est une déchirure! Ça y est. Le matin, le mec, il est ivre. Oh, joli. Yves, il envoie ses abonnés au Caspi. Bon, tu vas mourir quand même au bout d'un moment, mec. Ça te semble que je te place. T'as pas assez de dégâts pour finir avec. Tiens. C'est pas celui-là, ma grand-mère. Oh, mais vas-y, casse-toi avec ta tête, toi. Zobi. Zobi la mouche. Je peux charmer la sentinelle. Un qui peut la curer, qui me boule. Oh, j'aurais dû partir. Tu dégoûtes. Pied dans ta gueule, ouais. Ah, par contre, je trouve ça dégueulasse. Tu vois, à chaque fois, il passe pas. Hein. Pourtant, je suis pas si loin de toi. Ouais, mais ça dépend de tes dommages aussi. C'est ça que moi perso, j'aime pas Lucario, j'aime pas les persos progressifs comme ça. Parce que du coup, les sensations elles sont pas les mêmes et t'es obligé de connaître à chaque fois tous les pourcentages, tous les machins, tu vois, c'est trop de trucs à connaître. Ouais, je sais, mais au cas où t'as pas remarqué, j'aime bien jouer des persos qui sont chiants. Ah ouais, ça j'ai vu. Aïe! Bien joué. Non, parce que bon, entre Lucina, Falcon. Ouais, j'aime bien les persos chiants. Bah Lucina c'est pas chiant, c'est juste faut être au taquet quoi. Mais ouais, Lucario c'est plus chiant, c'est comme dresseur de Pokémon, ça t'oblige à avoir plus de connaissances pour un seul perso. Ouais, mais dresseur de Pokémon tu peux mieux t'en sortir parce que tu peux switcher tes Pokémon, donc c'est beaucoup plus simple je trouve. Ouais mais non, parce que du coup tu switches, mais si t'arrives pas à jouer les trois, ben t'as beau switcher, tu feras baiser quand même. Attends, je fais mes mixages, voilà. Attends, moi je vais voir ma pizza qui doit être chaude. Ah ouais mec, t'es déter, pizza déjà alors que tu l'as réveillé, d'accord. Bah ouais. Bah le truc c'est que si je mange pendant le tournoi, je vais être en pleine digestion. Après, du coup, c'est pas bon. En fait, concrètement, je joue mieux quand mon cerveau il marche pas. Donc du coup, faut que je fasse en sorte d'être en digestion pendant que je joue. Hum? Oui. Bon, je reviens. Pourquoi je te crois moyen? Pourquoi je te crois moyen le fait que ça soit chaud? Bijure! Bah parce que... Je dis bijure aux gens. Pas besoin de lumière parce qu'on voit pas mec... Ah si! En fait au cas où t'aurais pas remarqué, hein, je suis ton seul et unique spectateur. Oh! En même temps j'ai lancé live il y a à peu près 11 secondes donc... Bien joué ça. T'apprends vite. Putain, il met trop de temps à sortir. LOL. Non. Oui. Aïe. Ah, il fait mal celui-là. Quoi? T'as pas pris le hit? C'est une blague. Mais non, c'est parce que je pouvais pas. Ah bah, j'étais pas là à ce moment-là. Il est parti.
Ah, j'ai essayé un truc, c'est pas passé. C'est Madame Chombier, c'est pas passé. Pardon. On va dire qu'on s'en fout. Niquez-vous. Lucarien. Par contre, moi, je voudrais bien savoir c'est qui Laura au bout d'un moment. Ouais. Voir qui? Raoul? Quoi? Je vais envoyer. Il avait pas dit que Laura est à lui, mais je sais pas c'est qui moi Laura. Je sais pas, je peux. La puissance de Laura, mais c'est qui Laura, putain? Ah, mais c'est tellement pas drôle, j'ai envie de vomir. Ça ferme ta gueule, ça dit c'est le matin. Moi je trouve que c'est drôle, lui je trouve que c'est drôle, mais au final c'est toi qui as pas. C'est juste toi qui as pas d'humour. Ah non mais à ce tarif là, j'ai envie de dire, bon. Si on est deux contre un, j'ai envie de dire. Ça remet 2-3 débats, ça remet sur la table 2-3 questions d'histoire. Pourquoi la vie, pourquoi la mort? Ouais, j'ai autre chose en tête, mais je vais me faire ban de Twitch. D'où le. Avec le fameux meme. Mais non. Ah, je suis con, putain, j'ai envie de counter. Quand ils disent. Une certaine personne did nothing wrong. Et si vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Non. Non? Bon. C'est une personne avec une petite mèche, une petite moustache. Non mais c'est pas toi. Des années 30. Je vais écrire ce que tu voulais dire. Ah. Et sérieux. Putain, le stream a démarré depuis 6 heures. 6 minutes 33 et on est déjà parti. Attends. J'ai une bonne image pour toi dans le Discord. Attends, je te l'envoie. Vas-y. Va voir, elle est drôle celle-là. Attention. Je m'attends au pire. Putain, moi aussi. Oh, non, franchement, moi je l'ai trouvé bien drôle. Si c'est vraiment drôle, je la mets sur stream. Non, ah merde, j'ai pas. Je suis un de ces fils de pute. Je viens de streamer un match complet. Et de parler avec l'écran d'accueil du stream, c'est quand même beau. J'en suis là. Oui. Ah, c'est magnifique. Ça sent qu'aujourd'hui ça va être du lourd tournoi. Épique de ouf. Pouze. Du coup, est-ce que j'ai supprimé le tour sur stream, voilà. Je sais plus. Attends. On sort pas. Non. Ça. Photo. C'est quoi hein? Alors, elle est validée celle-là quand même. Elle est pas mal, j'avoue. J'aime bien, c'est un peu un mélange des genres, c'est mignonnet. Ouais, c'est pas mal, c'est mignon. C'est mignonnet. En plus, c'est colorisé, donc ça rajoute un petit cachet authentique. J'aime. C'est ça, et puis surtout, ça ne cible aucune communauté, c'est bien. Ah oui, c'est ça. Tout le monde est mélangé. D'accord, tu passes au travers, très bien. C'est normal, c'est parce que je suis comme une brise. Ouais, non, je brise. Brise comme le truc pour les honneurs. Non, comme brise hortefeux. Brise de Nice. Ok, voilà. Ça marche aussi avec les Lucario. J't'ai cassé. Mais non, mais j't'ai cassé. Ça y est, je commence à faire n'importe quoi, ça me dénerve. Ça a même pas commencé. Bon, du coup, caramel et caramba. Bonbon et chocolat. Alors que Lucario est plutôt dans le registre de la patate depuis tout à l'heure. Merde, enculé. Pêche-moi le praline. Hop. Oh, c'est fou. N'empêche, aujourd'hui, on va rigoler parce que y a Aishil qui est là. Il y a Acid Falcon qui est là et il y a Neonox qui est là. Donc. Parce qu'il y a Acid cette fois-ci, je te le mange. Acid, Aishil. Tu quoi? Tu vas le manger? Je vais le manger. La dernière fois, c'était serré. Cette fois-ci, je le mange. J'ai déjà pris quelques games, mais ça se compte sur les doigts d'une bite. Ah, je vole comme les gars. Bichebois, salut. Mais oui, parce que moi, je suis un rugbyman. Salut à toi, Bichebois. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Comme un connard qui a remis 5 heures, mais on va dire que ça va. Tu peux rejoindre l'échauffement si tu veux. J'ai commencé un peu plus tôt pour un peu attirer du monde, pour que les gens viennent, les pas inscrits, et voilà. Parce que j'en ai pas beaucoup, hein, on est 15. Dans 20 minutes, ça commence d'ailleurs. Allez, ouais. Dans 20 minutes, je m'endors. Très bien. Ouais. Bon, Xeno, tu fais quoi?
Je joue avec Emon Zizi. T'attends quoi? Après les bruits que j'entends, on dirait de la masturbation. Je tasse ma clope et je mange ma pizza. Camoulox. C'est ce que j'allais dire. Je recule de 3 et je tente le sombre remagage. Et... Vous ne pouvez pas, il y a Bernard Campan en opposition. Ah, fusil arrive, je le vois qu'il se connecte à Smash. Qui ça? Mais guys, tu préfères, enfin, t'es chiant, t'as cartonné le nom, casse pas les couilles. Mais guys, j'ai pas inscrit au tournoi. Si, bah si, c'est iShield en fait. Ah non, mais guys, c'est. Ah non, c'est Fuzzy. Mais guys, c'est légal. Si, si, mais. Non, mais guys, c'est Captain Fuzzy, les gars, c'est toujours la même personne, je sais pas, vous auriez pas compris. Oui, Captain Fuzzy, mais guys, c'est pareil, c'est Callista Balnak. Mais pourquoi il change de nom en plein milieu? Parce qu'il a plusieurs comptes. Donc. Avec différents persos à différents levels, et du coup, c'est pour ça qu'ils changent toujours. Oh ouais, tu m'as mis un coup, c'est bien. Mais non, t'inquiète, je gère. Enfin, je crois. De toute façon, moi je mets. Moi, à chaque fois, quel cousin est lequel? C'est sur le compte challenge après, moi que je mets. Sur le nom challenge, hein. Oh, mais ça va, oui. Ça va et toi? Putain, mais y'a rien à faire, les Ganon, je peux vraiment pas les saquer. C'est marrant, moi c'est pas mal. Ne vous inquiétez pas, les Ganon ne peuvent pas nous vous saquer non plus. Hein. Oh, go je suis dégoûté. Go nerf Ganon. Go sub Ganon directement. On va peut-être se calmer, le mec, il veut nerfer les pires persos du jeu, tu sais. Déjà, je vous fais un cadeau en jouant le pire perso du jeu. C'est cadeau. Déjà. Attends, tu me touches, je dois remonter, pardon. Ah mais mec, tu te mets en dessous du stage, faut se mettre en dessous en biais. Comme ça, je peux pas te toucher. En vérité, c'est pas le pire perso du jeu. C'est le pire perso du jeu parce qu'en fait, il est tellement chiant que tous les bons joueurs, en fait, ils s'obligent à jouer contre lui et à savoir le tuer. Bah du coup, ça veut dire que Ness, il est plus encore plus chiant. Ah, Fuzzy qui est réveillé. Non. Fuzzy, salut, il est là, putain de bordel de bite. Bon, on s'est fait spoil. Contre un Ganon, je te le dis. Oh, bon, moi, je préfère jouer contre Lucario que contre Ganon. Tiens. Ok. Non, mais attends, je vais tenter de faire comme j'ai fait avec Fuzzy, ça va être drôle. Je tente le sombre ragal, je relance de 8. Oh mon dieu, il y a Fuzzy. Oh les gars, faut pas dire à Fuzzy qu'il a, sinon il va rager. Je crois qu'il est dans le VOC, espèce de tête de nœud. Fuzzy, c'est en fait ce qu'il voulait dire, c'est que. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est qu'on t'aime tellement fort avec la puissance que on va sauver ta connexion internet. Alors en vrai, jusque-là tout se passe bien. Hein. Alors par contre, je demande comment ça se fait que ton kick passe à travers du mien. Parce que le tien il a un peu plus de mal. Le tien il a arrivé au bout, je pense. Parce que moi je suis Ganon et nique tout. Oh, je suis complètement nique, clairement. Pourquoi c'est pas retourné? Peut-être parce que tu l'as pas demandé. Ah si, si. Ah bah tu lui as pas demandé un silence. Ah! Oh fils de pute! Enfant de juron, veux-tu bien te retourner? Ah, te voici, enfant de juron! Alors, y a-t-il des avancements dans ta quête? Ah! Oh, allez, ça, c'est. Dégage. Oh ma gueule, ça! J'étais un petit peu court sur la shop, mais c'est pas grave. On va dire que c'était bien. Oh, qui me saoule! Bien sûr. What? Ça s'est pas passé comme prévu, madame. Bon, on va dire que voilà. Voilà. Alors que Seth Blue fait son entrée dans le online. Ah, quel con! Un partout, mec. Enfin, non, dehors, mais. Il était super motivé au début quand on a commencé, que maintenant on le voit presque plus. Qui ça, c'est Blue? Bah, il a peut-être des trucs à faire aussi. Il m'a dit, lui, tu sais qu'il est en télétravail aussi, hein, donc. Il a pas non plus tout le temps de la vie, puis. Non! Puis il a sa chérie, tout ça, enfin, il se passe des trucs, il peut pas tout le temps. Ah putain, c'est quoi ces geeks qui ont une meuf avec ce pépin, ça? Si Falcon, le online, ça veut rien dire.
J'ai spammé le jeu que off. Bah c'est vrai, hein, regarde, moi sur les tournois je me démerde plutôt pas mal. Là, quand je fais les tournois en vrai live, dans la vraie vie véritable, je me fais défoncer. Bichebois, oui, tu peux join, mais c'est... tout se passe sur le... Comment dire? Tout se passe au niveau du Discord, tout est là. Ah bah il a déjà join. Il a joint le jeu. Il a joint, bah oui. Comme la drogue. La drogue douce. Incroyable. Bon, va falloir s'organiser un petit peu là, parce que là on est pas bien. On est pas bien, bonne dame. Alors, j'ai un de faire un petit fils de pute classiquement, j'ai pas compris. Qui ça? Mon pote qui me fait une motherfucker, hein, quoi, pardon. Okay. Ah non, motherfucker ça veut pas dire fils de pute, c'est pas pareil. Non, ça veut pas dire fils de pute, ça veut dire nique ta mère. Non plus. Ah, techniquement ça veut dire baiser de maman, mais Après, c'est pas grave. Je peux dire que okay. C'est pas grave. Alors que fusil. Alors que fusil le change son épaule, MDR, fusil d'épaule. Ah, en vrai elle est bonne. Non si j'aime bien, mais moi j'aime bien toutes les vannes de merde dégueulasses. Ah ouais non mais celle-là elle était juste ignoble, on va pas se mentir. C'est pas grave. Moi je reconnais l'effort. Je reconnais le projet. C'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Oh non. Ah mais je sais pourquoi il joue Link, parce que connexion, Link, non, perso. Alors Marc, moi mon routeur c'est un TP-Link, tu vous expliques? Et TP c'est dire petite pute. Voilà. Pas de sucre pour le diabétique ce soir. Je vous jure, je suis tellement cette chaîne, c'est tellement nimp avec des grosses vannes dégueulasses. Si un jour je me fais ban de Twitch, je conteste même pas la décision. Oh, 57% c'est dur. Limite, c'est, j'envoie un message à Twitch. Non mais les gars, j'avoue, j'ai mérité. Merci, je crois que vous avez économisé du temps à beaucoup de monde. La seule tryhard en ligne n'existe pas à mon sens, hein. Je suis plutôt d'accord avec toi, Falcon, pour le coup. Ah Falcon, ouais d'accord, qui dit trucs sur le online. T'es en train de chier sur les points Smash, on peut le dire. Non mais moi je suis d'accord parce que moi en fait au début quand j'ai commencé à streamer ça, c'était Road to Elite, tu vois, je voulais passer Elite Ganon. C'était mon petit ma petite gloriole, ma petite branlette à moi. Et bon c'est pas arrivé, hein. Inutile de voilà. Très loin, il n'existe pas à mon sens. Ah après ce qui se passe sur le Discord, c'est ça reste sur le Discord. Ah oui c'est vrai que ça joue. L'image que j'ai envoyé, ça va. Ça joue Crocodile Infernal. Non. Non, meurs. Bon, tiens, meurs avec. Il va durer combien de temps le tournoi? Bah, ça dépendra de toi, surtout. Ça dépendra si tu rages quitte comme la dernière fois. Ça peut durer... Pourquoi? T'es fatigué? Non, ah, gros, il est 7h ou 8h chez lui. Hein. Ah, je sais, il est 8h. Mais non mais après voilà, j'étais debout à 6h. Mais c'est pas une référence. Je suis pas une référence. Mais après toi t'as été debout par obligation donc Certes. Donc il est 48, allez. Ma part de pizza, je vais passer un coup de la tête. Oui. Non dans le sens. Mais je suis assez con. Oh pis. Oui. J'ai réussi à rater deux fois. Franchement, t'as raté une stock gratuite, hein, c'est honteux. J'avoue. C'est pas grave. Mais quand même. Quel intime. Bah en vrai, à 20%, je suis pas quand même bien sûr qu'il serait sorti, ah, mais... Pense, hein. Mais je sais pas pourquoi il s'est pas retourné mon Ganon, alors que normalement, je l'ai fait normalement. Mais si, tu veux pas que je m'accueille à 20%, mec. C'est hier aussi que t'as essayé, hein, mais ça avait pas voulu, il me semble. Bah là il l'a fait, qui est con. Je reviens les gars, je vais juste essayer de réveiller HB. Vas-y. De toute façon au pire, je le mets un peu tard.
Et aussi, j'ai promis à Skull qui s'inscrit parce qu'il a dit 14h, ça ferait peut-être un peu juste. Mais 14h30, il pourrait, donc peut-être je le mettrai sur le dernier slot. Dernier slot de premier tour, et puis voilà. C'est compris. Hop. C'est quoi, ils vont peut-être streamer ou... De quoi? Les matchs. Quoi les matchs? Ils vont peut-être streamer ou on les fait quand même Bah tous les matchs ne sont pas streamés, ça va pas être possible, hein, ça c'est sûr. Je vous en braquette. Même avec le nombre qu'on est, tu pourrais pas le faire. Ah, ça a duré longtemps, hein. En vrai, ça a duré vraiment longtemps. Parce qu'après, que tu streames pas le loser, bon, Joseph, mais. On va voir comment ça se passe, mais. Après, moi, si ça dure. Bah, 3 heures, c'est bien. Le premier tour, en fait, ce qu'on va faire, c'est le premier tour. On va streamer un match sur deux. On va streamer un match sur deux, donc on va ouvrir. Comme ça, après. Oh, 10 minutes avant le tournoi en plus, quel enfoiré. De toute façon, il va perdre, il va retourner au lit. Hein. Bon, je pense pas, il va aller dans les commentaires. Qu'est-ce que je disais? Oh putain, tout le monde est venu sur le... Oh bordel, tout le monde est venu sur le chat alors que j'avais le Discord ouvert comme un mec qui a pas de race. Salut Setblue, salut Mister, salut Neonox, salut Erson, salut, vous êtes sur le pire stream de l'univers. Bienvenue à vous. T'as pas changé ton truc de stream d'ailleurs, c'est encore Acid Falcon et Fromagie. Ah, par contre, toi, t'as pas non plus changé ton cassage de couilles, hein. Alors ça, y'a du monde. Ah bah non, évidemment. Bah du coup, ça donne une petite... En fait, c'est... Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes Desperate Housewives, que j'ai dit tout à l'heure ça. En fait, c'est... Dans l'épisode précédent, tu vois. Ouf. Du coup, Mimzu, on fait le ring, comme on avait dit. Ouais. Une fois que les losers commencent, un winner, un loser. Le premier tour, on fait un match sur deux. Et okay. On stream un match sur deux. Et non mais j'avais Dust Wall Dodge. Premier tour de winner, on stream un match sur deux. Et après comme ça peut... Tout de suite on part avec les losers et les winners direct et voilà. Bah ce que je propose c'est que peu importe ma position, je fasse mon match dès le début en fait. Enfin sauf si bien sûr j'ai un free pass pour le deuxième tour, mais sinon je fasse mon match dès le début comme ça je peux gérer tous les autres tours plus facilement. Allez. Ouais y'a moyen. On va voir comment ça se passe. Et non. Mais gros t'as vu que ton kick il a priorité sur le mien. Mais qu'est-ce qu'il doit ? Y'a aussi un timing, histoire timing hein, c'est pas parce que... C'est soit une histoire de frame, soit une histoire de portée. J'ai pas toujours talent, c'est neutralisé hein, avec le kick. Hein. Ouf, ah dur. Mais oui, c'est vrai, ça touche le derrière, cette merde là. De partout, mec. Oh, dur. Je m'en fous, je t'ai fait au Falcon Punch. Comme tout à l'heure. Hein. Tout pareil, tout pareil. Sur une stat, on a pris deux d'affilée, je suis assez content. La base. Du coup, attends, je vais un peu m'organiser là parce que c'est un peu de... Je suis en train de faire un truc, c'est un peu de la merde. Est-ce que c'est normal? Vous me direz oui. Sans doute. Attends, je vais voir ton stream et je vais te dire. Non, le stream... Non, pourtant, ça va. Le stream, ça va, mais c'est moi de mon côté organisation, la régie. La régie. Est-ce que c'est de la merde? Oui. On va faire ça, bam, en attendant. En attendant. En attendant. On va faire ça. C'est mieux. C'est plus propre. Allez, oh Alsace. Je vois le béret. Le béret. C'est normal, c'est la base. Béret rouge, c'est les Bretons. Hein. Quoi? Mec, ce béret vient des Feria, Dax, mec. Tu sais, les fameuses Feria de la Bretagne normande. Il va mourir. Je vais juste me faire. Tu vas mourir, espèce d'enculé! Je vais te Bon, quand il aura fini de jouer avec sa truc de galette des rois là, l'autre là. T'as fini un petit peu de faire chier avec tes pro-jeux de merde? En même temps, on se bat avec ce qu'on a. Casse-couille man. Je suis casse-couille man. Non! Enculé! Oh, oh mais tu sais, ils vont pas. Le mec, tu vivras! Tu vivras, Jack!
Jack, monte sur la planche, il y a sa place pour deux. Rose en fait, j'aurais dû dire. Ah, je te remercie. J'apprécie beaucoup les fruits aussi, là. Je me suis fait un de ces cordons bleus cercle, quel plaisir, tu m'étonnes, Léo. Ah, cordon bleu, c'est la base. Petit cordon bleu coquillette là. Mais fais maison ou comment on fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce bon bruit? D'accord. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas compris. Non, mais c'est Karoul, il a fait son Raoul. Ouais, fait maison. Oh là 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 là. Qualitatif. Bon, allez, on va dire que je vais un peu jouer. Hop, attendez les gars, je reviens. Ah ah ah. Oh. C'est quasiment cadeau ça. Mais bordel. Mais non, mais reviens. Je suis un gros con et je m'appelle Ganon. Oh, Super Entei, cordon rouge, cordon bleu, Mew. Qu'est-ce qu'il dit? Cordon rouge, c'est quoi ça? Tu connais pas les cordons rouges, c'est meilleur. Non. Je me pose que c'est mieux. Allez, laisse-moi deviner, c'est un truc alsacien, bizarre. Ah merde, je voulais... Ouais, et c'est trop bon, cordon rouge. Est-ce que c'est comme du bake-off, mais sans truc pas bon? Non, c'est comme un cordon bleu. What? Enculé. C'est comme un cordon bleu, sauf qu'il y a un peu plus de barbac et il y a une sauce de sauce tomate, quelque chose. Et c'est trop... Ah ouais, bon d'accord. D'accord. Ouais, pourquoi il est 56, du coup? Je rentre... Bah du coup, putain, la remontada, il m'a fait l'empêcher. Je vais créer l'arène. On va faire ça. S'il y a des gens qui rentrent en dernière minute, c'est encore possible. Il faut juste m'en informer. C'est le tirage des braquettes. Ah, on va faire le tirage des braquettes, effectivement. Mais il faut... quitter. Ah oui, d'accord, le mec, il a tout fermé. Il a coupé l'herbe sous le pied des gens. Bah oui, sinon les joueurs, ils sont partis pour jouer à un moment. Tu les connais? Ouais, mais non, les mecs ils sont chauds, ils ont envie de se tabasser la gueule. Manette de merde. Bah, on s'y met deux secondes, pas l'heure. Du coup, mot de passe, taille de ma bite comme d'habitude, 45. Ah, mais raté avec les millimètres. Vous savez très bien que c'est ni des centimètres ni des millimètres. C'est une unité un peu plus. Voilà. Bref. Blague à part. J'ai l'image d'un tête, c'est dégueulasse. T'as jamais eu... Hey mec, ah bon, t'es un peu jeune, je veux pas faire ce genre de mal, mais voilà, on s'est compris. Donc, Non, le break était fait. Mais il va la fermer, c'est gueule. Alors, le break n'est pas fait, j'attends, il est 57, arrêtez. Le micro, il recoupe, ça recommence. Quoi? Mais c'est toi qui recoupe. Mais non. Non, mais je rigole pas. Et allô, ça recoupe pour de vrai? C'est pas possible. Ça a recoupé, non, mec, quand j'étais en train de parler, ça a coupé. Les gens, est-ce que ça coupe? Est-ce que vous avez entendu un truc qui coupe, les gens? S'il vous plaît. Les gens dans dans le chat. Parlez franchement, soyez pas des petites putes à faillite. Mizu, t'as vérifié que Ember, notre commentateur, soit là? Ah oui, Ember, bah vas-y, spam-le. Ember, est-ce qu'il... Mais moi, j'ai pas son numéro ou quoi, faut que tu l'appelles, toi. Bah, je vais envoyer sur un message sur SAP. Tournoi... Non, Erson, ouais. Le bracket il est pas fait, c'est un bracket temporaire en fait. Quand tu t'inscris, il te crée un bracket temporaire. Ouais, non, parce qu'en fait. Après, on le retire. En fait, c'est parce que le bracket. En fait, vous mettez les noms, il y a un ordre qui se fait. Et l'ordre, en fait, là, moi je le randomise, je fais un tirage random et du coup, ça remet le bracket en mode random dégueulasse. Voilà. Donc. Eh bah écoutez, fin des... Pourquoi j'ai mis mon Ubisoft game, mon cul, connard, Uplay, mais non. J'ai une marque de yaourt. On va fermer ça, tac. Putain, depuis que j'ai installé mon... Depuis que j'ai installé ce logiciel Nvidia, là, il y a tout qui merdouille. Au niveau du micro. Bref, c'est pas grave. Fin des inscriptions, c'est fini. Fin des inscriptions. Je le crie comme ça fait une petite fin un peu formelle. Voilà, donc, sur ce,
nous allons randomiser. C'est parti, une seule fois. On lance l'arbre. Bleh. Et donc, c'est un film de cul. Déjà. Alors, bougez pas, restez ukté. Restez bien ukté. Le braquet. Il est où? Pourquoi il est pas là? Pourquoi on voit pas le braquet? Putain. Néonox, premier tour. Mais bordel. Mais mon braquet. Ah. Quoi? What the fuck? En vrai. Mais en vrai? T'as pas payé assez. Oh non. Oh, je vous jure. Fenêtre. Ah oui, c'est pour ça, c'est parce que ça. C'est parce que j'ai fait de la. Ah, bougez pas, il se passe un truc. Regardez la technologie 8.0. 8.0. Paf! Oh putain. Technologie 8.0, code exécutif Koto. Tout à fait. La meilleure team du monde, la team Koto. Et donc. Alors, ce qui va je se passer, suis coach Shadow. Je vous explique ce qui va se passer. Il y aura un match streamé, un match non streamé. 1 sur 2 en fait, ce qu'on va faire. Bon, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va voir comment on se démerde pour le dernier. Alors Cassid Falcon passe directement en deuxième tour. Bonne nouvelle, on peut gratter un point ou deux. Ce qui va se passer, c'est que. Alors, on va faire Mimzu contre HBZ. Parce que moi je suis obligé de streamer mon match, j'ai pas le choix. Et moi je vais faire tout de suite mon match aussi contre Neonox, je pense. Comme ça c'est fait. Après, et Neonox contre Xeno, voilà, comme ça après il peut gérer. Donc voilà. Donc, l'arène, je vais l'écrire dans le... Moi, je suis quel round? Dans le. T'es quel round? Toi, tu seras... Tu passes en avant-dernier, à peu près. Moi, je passe quatrième, je crois. Mais on est en... c'est 7 games. En fait, tu vas passer en... Dans quoi? Dans 10 minutes, t'es là, quoi. Oh, okay. Putain, mais les gars, on leur dit, faut attendre 10 minutes, tout le monde pète un plomb. Ouais, mec, en même temps, il est 8h du mat, le pauvre, il vient de se réveiller, le sultan. Eh ben, il vient de se réveiller, il est frais comme un petit gardon. À son âge. Il vient de se réveiller aussi, mais c'est pas grave. Hein. Bordel de bite. Alors, attendez. Du coup, Shadow est là. Salut, Shadow. C'est quoi, monsieur, l'après moi? Ah bah, c'est bien, Shadow, comme ça. C'est bien, comme ça, t'es là. J'aurais pas à te faire passer en tout dernier, comme tu m'as demandé un petit peu. Voilà. Donc c'est moi contre HBZ qui vient de se connecter sur le Nintendo Online, donc on va y aller. Donc c'est du BO3, comme d'habitude, on commence avec du BO3. Intéressant. Comme d'hab, n'est-ce pas? Du coup oui, je voulais mettre LDT, je vais mettre l'arène dans le salon LDT, l'arène et le mot de passe. Ah bah salut Shadow. 90. P. C'était inscrit. 58. Mot de passe. 40. Paf. Donc dans le salon LDT... Déjà ça. Oh là là, c'est qui parle qu'on n'entend pas? Shadow, c'est toi qui parle? Shadow, ça dépend ce que t'entends par fort. Si pour toi il est pas fort, Captain Fusil. Oh mais toi t'es pas fort du tout, Shadow. Hein. Putain, Shadow, on dirait que t'as le micro dans une autre pièce. Bah ouais, je sais, mais... Tu vois, c'est ce qu'on appelle la qualité, tu vois. Qualité. Qualité de... La qualité qualitativement qualitative. Okay. Donc non, pour te rassurer, Shadow, je suis un joueur très moyen dans l'ensemble. Oui. À un certain moment, il peut être... Bon, du coup, HBZ, on t'attend dans l'arène. C'est Tipar, HBZ. Mot de passe 45. Allez. Allez, venez, Milord. Vous faire défoncer. Ah, HBB. La prendre dans le cul, Milord, vous allez apprécier. Avec tout, tomato. Du coup, ça on va garder. Qu'est-ce qu'il fait, cet innocent de merde? Ah, mais là, j'ai plus le chat. Oh, c'est incroyable. J'ai plus le chat. T'as plus de chat? Le chat. Là, il est là. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai dit quoi? J'avais dit. Mimzu HB. HB, tu te pointes? Oh, ça démarre pas. Du coup, tu ne mets pas sur le vocal commentaire pour moi? Si, je veux bien, mais il va falloir que quelqu'un commente aussi. Voilà. Si quelqu'un veut commenter, sinon... Je propose Fusil pour le commentaire. Moi, je veux bien, hein, moi, ça me dérange pas.
Non, merci. Nope. Là, mec, t'es le seul qui t'y connaît à peu près. Moi, je vais dire que de la merde, c'est pas la peine. Bah, tu crois que j'en dis pas de la merde? Je m'y connais à peu près, j'ai pas dit que je m'y connais parfaitement. Ouais, mais à peu près, ça suffit, contrairement à moi. Allez, hop, au boulot. Donc, Mimzu, HB00. Je suis fatigué en plus, fuck. Bon, HB, t'es là? Il est pas là, Fuzzy? Si, il est là, bah, il est dans le vocal. Oublie pas la scène, t'inquiète pas. Je maîtrise tout. Je suis à fond. La scène, pornographique. Olé, oula. Du coup, je vais me mettre dans le, je vais m'en mettre dans le commentaire tournoi, hein, puis je raconterai ma vie. Alors, je tiens. Voilà. Ah, si jamais vous faites des matchs de votre côté, il faudra transmettre les scores en Wisp, pas dans le channel match non streamé, vu que je l'ai mis en admin seulement pour pas que les gens commentent. Ouais, ou sinon tu me fais un petit report des scores aussi. Non, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut qu'ils Wisp soit toi, soit moi, okay, avec le score, s'ils font des matchs de leur côté. Ok. Bon. Alors, je m'occupe un petit peu. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat? On fait hors stream, alors ça dépend comment ça va tomber en fait. T'es où? C'est. Qui posait la question? iShield qui posait la question. On sait pas, on va voir comment ça se passe. Non, c'est pas iShield qui posait la question. Il disait la. SetBlue. Ah oui, SetBlue qui disait. SetBlue qui posait la question. SetBlue. On verra comment ça se passe, mais y a pas de raison que. Voilà. Si jamais je peux toujours pas écrire sur le salon Discord match non streamé, mais putain, mais c'est sérieux, mec. Et comment ça se passe cette histoire? Ah, oh, match non streamé, je vais t'inviter dessus parce que là ça va pas être possible, ma bonne dame. Neonox. Ah, mais j'ai pas envie, mon ami. Pourquoi? Du coup, je vais passer match non streamé, je vais faire comme ça. Permission de crier. Ah, on est. Non, mais quel connard! Non, mais je suis en. Mais non! On est en. Mais non! Changer les règles parce qu'on est. Mais... On est en Smash à 4. C'est du duel. Oh. On se la refait. Moins crispé. Il est nul. On peut envoyer des messages? Oui, allez. Allez, bordel. Bordel de merde. Normalement, tu peux écrire, c'est pas possible, tu peux écrire normalement, là. Donc, c'est dit pas. Moi, je suis chaud. Oh, Terry. Ah, tu m'as battu hier avec ton Terry, je me souviens. Bon, faut que le son du jeu, tout ça, faut pas hésiter, faut me dire comment qu'on est, si on est bien, si on est moins bien, si on est mieux que plus bien. N'hésitez pas. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Ça démarre. Et hop. Oh, dur. Oh. Bon. Aïe. Il me fait rigoler. Il dit des trucs en fait. J'entends les choses quand il fait ses petits délires. Ah. Sonic Tantouze. Il m'a fait une Sonic Tantouze. Sonic Tantouze. Sonic Tantouze. Ah non. Ah. Sonic Tantouze. Non. Mais quel con, mais j'ai oublié d'appuyer sur les boutons. Je rêve d'un jour où Mimzu lit les messages. Où ça? Quoi? Pourquoi? Mais si, non mais. Non mais attends, mais arrête, je suis en train de me battre avec quelqu'un. Pour? On peut jouer contre fusil maintenant en privé. Alors si vous êtes chaud, si vous le voulez, moi je joue bien. En fait, le délai. La raison pour laquelle je voulais un match non streamé et un match streamé en même temps, c'est pour que ça avance au même rythme. Mais en fait, ça change rien. Oui, vous pouvez y aller si vous voulez, vous pouvez y aller, y'a pas de soucis, hein, y'a zéro souci. Hein. Moi, tant que les scores sont apportés et tout ça, il n'y a aucun souci. Désolé, excusez-moi, j'étais en train de taper un... J'étais en train de prendre des Sonic Tantouze. Non, enfin voilà. Donc du coup, ça... Oh putain, ça va être compliqué aujourd'hui à la Real. Alors que Jean-Michel, réalisateur, commence à paniquer dans la régie. Il est où, Fuzzy? Bah, il est là, il est dans son... Fuzzy, on t'appelle. Il est dans le... Dans le vocal général, donc tu peux aller le trouver, même si tu parles pas, il doit être connecté normalement.
Hein? Ah, aïe, aïe, aïe. Ah non, pas le kickback. Mais bordel, mais arrête de faire de la des trucs comme ça. Trop dur. Chirac. Ah, Sonic Tantouze. Ah, je t'ai peut-être sauvé. Non, je me suis sauvé moi. Bon, c'est déjà bien. Sonic Tantouze. Ça fait mal ça. GG. Felsan qui dit, nous on peut attendre, brute ta légende. Après, oup. Après, si vous voulez. Après, c'est. Bon, après, si ça se décante un peu vite, surtout les premiers. Parce que ce qui dure le plus longtemps, c'est les premiers tours en fait. Surtout. Après, c'est ça déroule un peu plus, mais c'est surtout le premier tour, des fois le deuxième. Genre un tournoi comme la semaine dernière, on était 23, donc c'était un peu compliqué. Niveau admin, j'ai toujours essentiellement Xeno qui est là. Oh, joli. Ça m'a pas tué. Et... Aïe, aïe, aïe. Et après, des fois, on a cette blue là, mais bon. Cette blue, il a aussi un petit peu de vie à côté. De temps en temps. Et là, voilà, donc c'est une victoire de Ganondorf 2-0. Bref. Et donc, GG à toi, HB, GG à toi. Du coup, on raffiche le bracket. Ça nous fait donc Mimzu tour suivant. Mimzu, il va où? Ouais. Ah oui, il faut commencer le tournoi. Alors, attendez. Commencer le tournoi. On va faire ça. On va commencer le tournoi, en fait. Voilà. On va faire ça. On va faire ça bien. Pour une fois. Ça changera. Donc, le score... C'est Mizu. Mizu qui a gagné 2-0. Voilà. Ça arrive pas souvent. C'est notable. Et donc. Nous en sommes à. Ah. Ça me fait chier ça. Arrête de. Ouais. Donc sur match suivant. Donc. Alors si j'ai bien compris. Donc on a Xeno et Nonox. Ça se joue. Et on a. Donc on a Fuzzy contre Ice Shield qui va se jouer. Donc on peut avoir Gelgior, ah voilà, Gelgior contre Cyan Erson. Contre Erson. Gelgior, Cyan Erson. Vous pouvez venir, je vous en prie, faisez-vous plaisir. Et Xeno, je compte sur toi pour m'annoncer des scores à l'oral si possible, c'est plus facile à gérer. Donc cette blue... Non, pas cette blue, qu'est-ce que je disais? Non, c'est Gelgior, hein. Gelgior contre Cyan Erson, contre Erson. Dites-vous si vous voulez bien, s'il vous plaît. Ce serait bien. Dans l'arène. Donc. Alors, faut que je note le nom de monsieur Cyan Jean Erson. Parce que je n'étais pas dans la liste. Cyan. Oh putain. Non. Cyan. Rasson, voilà. Je t'ajoute, c'est parti. Donc nous avons donc Gelgior, grande habilité tournoi, puisque c'est. Il les a tous fait sauf un. Engineerson, 0-0. Paf, c'est parti. Ils sont où les gens? Les gens? Pourquoi vous n'êtes pas là? Cringe. Erson, GG, je change de perso. Est-ce que ils sont déjà en train de faire leur match, Erson et Gelgior? Est-ce que vous êtes déjà en train de vous tabasser? Parce que moi, je suis pas au courant. Est-ce que oui ou est-ce que pas oui? Est-ce que non? Comment ça se passe? Informez-moi, s'il vous plaît. Les gens? Oui! Ah! Ah! Du coup, super! Bah, du... C'est génial. Du coup, bah, j'appelle le match suivant Shadow contre Brutal Legend. Shadow Brutal Legend, vous pouvez vous pointer. Allez-y. Si ça ne joue pas encore. Le réveil, putain. Et mec, j'ai dormi 5 heures. Hein. Je me suis levé à 6 heures ce matin, couché à 1 heure. C'était compliqué. L'impression d'être un mec qui a un métier presque.
Shadow Brutal Legend, quand vous voulez, je vous attends dans l'arène. Sachant que le gagnant de Jagger contre Sam Anderson se mangera le rouleau compresseur. Il va faire sûrement tac, 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 tac. Voilà. Brutal qui est dans le ring. Voilà, voilà. Bon. PN 2-0 contre 7 Blue. Ah, ouh. PN 2-0 contre 7 Blue. Donc, oh là là, il se passe des choses. On va remettre le bracket en attendant. Qui c'est que j'ai appelé? Putain, ça traîne, oui, hein, de ouf. Ça traîne à fond. On a Brutal ici. Shadow. Donc, alors, on a... Donc, Mister MDR qui a gagné 2-0 contre cette Blue. Ça gagne. Ah, Shadow qui est ici. Salut à toi avec le beau petit logo, j'aime bien. Et donc, Xeno, allô. Ouais. Dis-moi. J'ai pris 2-0. Par contre, je peux pas inscrire les scores. Je sais pas si tu m'as donné les droits d'admin. Ah non, j'ai pas fait. T'as gagné 2-0 ou t'as perdu 2-0? Non, j'ai perdu 2-0. T'as perdu 2-0. Et voilà. Violet, ah bon? Carme. Alors qu'on a Brutal, Brutal contre... Brutal, putain, j'ai pas Brutal dans le truc. Oh, faut que je rajoute. Oh, merde. Brutal, légende. 14. Alors, du coup, si j'ai bien compris, cette Blue et Mister, c'est déjà fait, c'est ça? Ça, c'est joué, ouais. Ok. Donc, du coup, il y a Ember contre Bichebois, s'ils veulent lancer, si Ember est là. Je prends qui sur le ring du coup? Je prends Ember et Bichebois ou je prends Shadow et Brutal? Je peux prendre Ember et Bichebois et Il y a aussi Fuzzy qui joue, en train de se jouer. Okay. Donc voilà. Donc là on a Shadow, donc voilà, attendez, faut que je fasse un peu ça bien quand même. À un moment donné, bon. Erson 2-0 pour moi. Erson qui a gagné aussi 2-0. Putain, ça tabasse les mecs, hein, vous perdez 0 temps. Erson contre Jadjior. Erson 2-0. Bon, putain, ça avance à une vitesse aujourd'hui. Ouais. Les gens, tout le monde veut faire ses matchs. Ember et Bichebois, est-ce qu'Ember est connecté? Je pense qu'Ember n'est pas là. Putain, ça va être beau ça. Bon, du coup, on en est où? Un petit match Shadow, donc un Sonic, hein, contre une Lucilla. C'est un peu serré, bon. En même temps, c'est la première vie, le premier match, le premier stock, tout ça. Ember qui est là. Est-ce qu'Ember est là? Ember s'est connecté, je crois. Ember, je crois, c'est Dark. J'ai pas fait. Ember. Non, il n'est pas connecté. Mais quel trimard. Je vais de ce pas chercher mon... Qui ça? Bah oui, évidemment. Je vais chercher mon téléphone et puis voilà. Je vais envoyer un message à Ember, comme ça, c'est très pro. Oh merde! Ah, c'est la bonne journée qui commence bien, ça. J'ai pris le rideau sur... Il y a pas mal de personnes au saut du lit. Oh là là, mais tout se casse la... What the fuck? Il y a pas mal de quoi? De personnes au saut du lit. Ah bah oui, mais quand on fait 15h, les gens veulent faire 14h. Quand on fait 14h, tout le monde vient de se lever. Du coup, j'envoie un message à Ember. Bouge pas. Ember... Du coup, je peux absolument pas commenter le... Alors que le match a l'air fascinant, ouais, ça joue bien. Je peux pas commenter parce que mon cul... Voilà, félicitations. Oh, mon téléphone qui abandonne, non. Non, allez, message. Oh, bordel, je suis au bout de ma vie. Messenger. Bon, bah, Ember, voilà. Ember, il est où? Hugo. Le tournoi sac à merde.
Voilà. Avec un pouce bleu. La politesse et la convivialité. Ah, j'ai mis un pouce bleu avec, c'est bon, c'est poli. La pouce bleu, même pouce bleu. Alors. Ah, mais Neonox qui dit s'il veut, il peut venir faire le commentary, mais 12 000 fois oui, Neonox, évidemment, tu rigoles. Toujours, all day, every day, mec. Commentary de Neonox, je dis oui, madame. Donc du coup, on en est où? Ah, Shadow qui est un petit peu dans la merde. Mais Neonox, viens dans le général et je te déplace dans le commentary. En fait, tu sais quoi, Neonox, je suis un peu un con. Écoute, Neonox, ce que je vais faire, bouge pas. Neonox, je te mets admin aussi, parce que bon, voilà, voilà. Neonox, t'es admin, tu peux te mettre dans le commentary tournoi à anytime. Voilà, pointez-vous. Pointez-vous. En attendant, je vais remettre mon reload parce que tout s'est mal passé. Ah non, ah non, pas le lag. Ah non. Pas le lag. Bon. Wesh wesh. Canne à pêche. Faut juste me dire au niveau de mon micro et ce genre de conneries parce que bon, déjà vas-y ouais, péter mon casque donc c'est bancal. On t'entend bien et ça s'accade pas donc pas de soucis. Et est-ce que vous entendez le son de mon jeu ou pas? Aïe. C'est oh. Ça ma question. Ah oh, merde mais putain mais là, oh mais j'en ai marre. Bah de toute façon vous me dites si vous entendez le son. Bordel de merde la bite de chiasse. Oh du coup putain qui salut Neonox qui a pris le premier round. Ah non d'accord. Oh, tout m'échappe, c'est un cauchemar. Le premier round pour brutal j'imagine. Me trompe. C'est brutal. Pourquoi c'est Gelgur mais. Brutal. Brut. 1-0 pour brutal, c'est bien ça. Les gens. Vous m'entendez? J'en ai aucune idée, j'ai pas vu. Ah non, mais j'ai pas regardé non plus, ouais. Ah, salut toi, Nuno. J'ai un message. Il va falloir juste me passer l'idée de l'arène. L'idée de l'arène, bah c'est dans le salon LDT. Bouge pas, je te l'envoie sur ton truc non, Discord. Non, c'est bon, je l'ai, c'est bon. Merci. Ah, quelle puissance. Du coup, oh, putain, on en est où? Je viens de me planter sur un clou, c'est abusé. Est-ce que j'ai reçu un... Mais non, mais j'ai pris... Je me suis assis le rideau et j'ai pris le rideau sur la gueule avec la tringue, tout. Un cauchemar. Cette journée est un cauchemar, mais tout va se passer. Je vais faire défaite, vous allez voir. Je vais prendre 0 points. Ah non, j'ai déjà 2 points. Ah. Ça, j'ai pris des points. Ah oui, Neonox, oui, dans les commentaires, évidemment. Je vais essayer, parce que c'est la première fois de ma vie que je commente un. Enfin, que je commente un. T'inquiète mec, détendu, tu peux pas faire peur que moi, hein. moi je commente, je commente avec mon zob, mais depuis tout à l'heure je prends les trucs sur la gueule, je me plante sur des clous, c'est un cauchemar, je vous jure, tout se passe mal. Toby, il monte à combien le cash prize? Ah mais Toby, bonjour. Les gens ils arrivent, ils disent bonjour, c'est combien l'argent? Alors en fait, alors, je m'engage à reverser 10% de ce que génère la chaîne par tranche de 5 euros, en plus des 60 euros qui sont déjà à gagner pour les 3 premiers, 30, 20 et 10. C'est à peu près ça. C'est Après, en toute honnêteté, ça sort de ma poche, voilà. Ah ouais, quand même, lourd. Mais c'est pas sur le tournoi, c'est sur la ligue, mec, c'est 10 semaines de ligue. Mais quand même. Mais dès qu'il y a par tranche de d'abonnement, de dons, de machin, truc, machin, paf, hop, je reverse. Voilà. 10%. Donc tout en gros tous les 50 balles qui rentrent dans la chaîne, il y a 5 balles qui repartent réparties entre les 3 premières places. Ça a l'air de rien, mais respect à toi. Oui, enfin bon. Après, si tu t'inscris, tu peux pour le prochain tournoi. Hein. Tout ce qu'il faut faire, c'est follow la chaîne. Après, tu peux faire les sessions d'entraînement avec nous. On a de ces putains d'animaux, je te promets, mec. Bah là, au commentaire avec moi, on a Neonox, qui est un très très bon joueur.
qui c'est le pouli d'or. C'est notre pouli d'or à nous. On donne les scores à qui? Tu peux les mettre dans le chat, hein, c'est bon. Je peux les prendre dans le chat. C'est sans souci. Ah non! Pas le like, s'il vous plaît. Non, pas le like, j'ai dit. Là, ça lag fort, ouais. Bah là, ça lag un petit peu. Bon, après c'est une petite seconde ici, une petite seconde là, donc c'est pas... Ça va! Bah, ça... ça aussi, au niveau des sessions d'entraînement, si vous voulez, une fois, vous me MP, et puis j'essaye un peu de vous aider. Oui, bah écoute, moi je suis toujours chaud. Achille de K a gagné 2-0 contre Fuzzy. Donc Fuzzy qui tombe en loser bracket. Et Achille qui avance, donc voilà. Du coup, pas de... D'accord. C'est un 3 stock là. Ouh là là, la violence absolue. Et donc c'est brutal, hein, Kang 2-0, on est d'accord. Donc Shadow, ne bouge pas, tu tombes maintenant en loser bracket, donc ça ne change pas grand chose en fait. Il va falloir juste te battre un petit peu plus pour voilà. Donc Shadow Brutal Legend, ça fait 2-0. Et du coup, la manche 1 étant terminée, je pense qu'on peut du coup disqualifier Ember, hein, puisqu'il n'a pas été là. Ember il prend 2-0 parce qu'il s'est pas pointé, je veux pas l'attendre 800 000 ans. Surtout, voilà. Oula quoi? Ah oui. J'ai un joueur qui s'appelle HS Mick AH qui vient de rejoindre le ring, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Quoi? Où? Ah, dans ton truc? Ah bah tu vires. Ça doit être un pote à Rise White, mais... Ah bah attends, parce qu'en fait, moi j'ai HS Fuzzy, en fait, c'est la team HS. Ils sont... Ouais, du coup, ça doit être un pote à eux, mais... Ah mais j'ai jamais vu, donc voilà. Bon, allez, salut. Ouais, mais ils ont rien à faire là, enfin. Non, mais ils ont carrément rien à faire là. Ouais. Et d'ailleurs, la porte, voilà. Mako s'est mal barré, Felsan. Oui, bah écoute, c'est pas grave. On va se démerder, t'inquiète pas. Voilà. Donc alors, match suivant, Acid Falcon contre Erson. Alors ça, mon cochon. Attention, entrée en lice. Il arrive. Pour le loser. Il a sorti les biceps. HBZ sur le ring contre moi-même. Attends, mais on est déjà au deuxième tour là? Pour que Acid Falcon y joue? On était. Ouais. Bah ouais, mais on est que 15, hein. Puis en fait, tout le monde a joué hors stream en fait. Donc j'ai streamé que deux matchs, tout le monde a dit: oh, c'est tabasse quand même, on s'en bat les couilles. Donc, mais du coup, je pense que pour que le stream il dure quand même un minimum, faudra peut-être justement ne pas faire que des matchs de son côté, parce que sinon, dans une demi-heure, on a terminé. Oui, non, mais après. Mais là, je vais commencer un petit peu à. Là, on va en streamer au moins deux, c'est sûr. Parce que moi, c'est pas plus mal. Ah putain, Néo, je suis contre comme toi. Comme ça, tout le monde joue un peu, tu vois. Néo, je suis contre toi, deuxième tour. Putain, ça va être dur. Bon, on fait pas le match directement, hein. Comme ça, on commente un peu. Oui, bah carrément. Allez, Acid contre Erson. De toute façon, mon match, je suis obligé de le streamer, ça c'est sûr. Après, là, on fait 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Ouais, non. Là, on va refaire un match sur deux. Et après, le prochain tour, on va streamer. On va streamer tous les matchs de winner. Et voilà. En ce qui concerne le loser bracket, je crois que j'ai fait une petite erreur la semaine dernière au niveau voilà. Finale, en fait, techniquement, c'est la finale des losers, c'est pas celle-là, en fait. C'est celle-là, la finale des losers. C'est celui qui perd la finale des winners, qui redescend et qui fait la finale des losers, on est d'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça, et en fait... Le winner final, il est déjà officiellement loser final. Voilà, et du coup, j'ai fait un petit peu de la merde. Ce que j'ai fait en BO5, en fait, la sous-finale des... Enfin bon, bref, c'est pas grave, hein, ça va pas changer grand-chose. Du coup, Acid, après, il est où? C'est pas plus mal, hein. Oui. Acid Falcon qui n'est pas là. Tu joues, mec? Message, il n'est pas là. Bah, à mon avis, il a dû se dire: oh là là, j'ai tellement le temps. What the fuck, c'est tellement loin dans le temps. Il est là. Acid qui est là, incroyable. Donc, Acid contre eux. J'ai dit contre qui d'ailleurs, je ne sais plus. Acid contre Erson, je sais pas. Voilà, Erson the way. C'est VP, le mot de passe. Oh, vous êtes au bout de votre vie. Le mot de passe, je l'ai déjà donné. Il est dans... Tout est dans le Discord. C'est pas possible. Oh, je suis d'une... C'est d'une tristesse absolue. De toute façon, c'est 45. Je vous l'ai dit, c'est la taille de mon gag. J'ai failli dire la taille de mes pompes, mais je fais du 39, donc... c'est pas ça. C'est seulement du 39. Ah, j'ai petit pied, mec. Donc, petit pied, petite bite, hein. Forcément. Là, les gens disent: c'est quoi le stream cringe, là? Cringe de ouf.
En plus, j'ai lancé le stream exprès à 1h30 pour un petit peu appâter les gens, tu vois, pour que ça se pointe, voilà. J'ai l'impression que personne ne me voit, Mr. P. Mais pourquoi? Mais si, mais je te vois. Ne mets pas les mains dans tes cheveux de manière si triste et passionnée. Mais du coup, Acide, il est parti. Il était là et il est plus là. Sid ? On se fight après, apparemment. Est-ce que vous fightez après ? Qui ça ? Mizu Neonox, Brutal Legend, MP, ah, et Mister, MD, MD Mister. Et Bishbois et Shield, ouais, ça sera les matchs. Ah, si. Qui a changé de. Ouais, il est là. De petite. Bon. Moi aussi je peux commenter. Moi aussi je peux commenter. Bah on. Bah, comment ça se passe, on peut tourner si c'est. Oh là là. Plus, pas d'écran noir. Non, c'est l'écran noir, l'écran qui c'est. Merde. Mais je disais s'il y a trop de commentateurs. Enfin. Oui, après là on est que. La semaine dernière quand on était que 4 c'était bien. Quand on avait que les joueurs et les deux coms c'était bien. Ça déroulait, c'était pas mal. On a quasiment pas eu de lag la semaine dernière, c'était bien. Mais avec la chatte que j'ai aujourd'hui, je pense que on va jouer en 3 FPS. Non, ça va. Alors que du coup, Acid, qui joue à peu près tout le monde, nous surprend, comme à chaque fois, en jouant la plante. La plante. Donc voilà. Aujourd'hui, le jardinier. Voilà, la base. Ah, bah du coup, le prochain tour, Néo, c'est... Si Falcon, il gagne, c'est toi ou moi qui se le mange. Ouais. Donc, je vais peut-être me jeter un petit peu dans le vide, hein. Exprès. Quel but, tu vois, c'est faire un seeding, ce serait bien. De faire ? Un seeding. Un seeding ? Ah oui, non, ouais, mais non. C'est un préclassement. Non. En fait, je suis contre ça parce que ça. Mais non, mais ça sert à rien, mec. C'est les matchs truqués. Ça sert. Mais c'est les matchs truqués, ça, mec. Non, c'est pas match truqué, mais genre. En fait, tu vois, par exemple, la semaine passée, Acidément, on est tombé premier tour. Ouais, je suis au courant, ouais. Et alors c'est... En fait, normalement, ce genre de choses, c'est pas censé arriver. Et donc, pourquoi? Bah. Gars, mec, Coupe du Monde 2018, première journée. Espagne-Portugal, mec. Espagne-Portugal. Personne s'est plaint, c'est comme ça. C'est... Non, parce que de toute façon, tu fais un match contre lui. Finalement, tu tombes en loser bracket, vous vous retrouvez plus tard, machin, enfin, tu vois. C'est, finalement, c'est tout pareil. Non, je suis... Ce genre de pratique, moi, je suis bof, hein. Parce que j'ai fait les tournois, par exemple, où nous, on arrivait en groupe de potes, tu vois. On est genre, il y avait genre entre 20 et 30 joueurs. Et nous, on se pointait à 4-5 et on n'est jamais tombé les uns contre les autres, jamais, pas une fois, en plein de tournois, pas une seule fois, mec. J'ai jamais compris. Et le mec, il faisait que des tours, il faisait ce qu'il voulait, tu sais, c'était abusé. Et j'ai dit, mais en fait, c'est tout crack ce qu'ils font, les gars, ils font ce qu'ils veulent, tu sais. Et jamais été fan de ça, moi. C'est tirage, un petit peu. Le but, c'est de pas mettre les meilleurs joueurs contre au premier tour, ce genre de choses, ou dans la même partie du bracket. Oui. Parce qu'en fait, sinon, ça peut. Déjà, ça peut fausser les losers. Parce que, admettons qu'il y a les deux premiers qui tombent tour 1 contre, et ben il y a un des deux qui sera en loser, et puis ben les gens qui arrivent en loser, voilà, déjà. Et puis aussi, c'est. Comment expliquer ? C'est juste que. Après, sinon, il y a un peu comme une partie de l'arbre qui est faussée, parce qu'il y a eu des gens forts tout du long. Ah oui. Il y a eu des gens forts tout du long sur une partie du bracket, alors que sur la deuxième partie, il y avait des gens qui étaient de même niveau et ça fait que il y en a un à une partie qui est beaucoup plus fort que l'autre dans la deuxième partie en finale et puis c'est parti sur les trois stocks. Puis, voilà, tu vois. Mais oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si c'est pour se retrouver avec les gens qui sont les moins bons en loser et que ça se bat dans les fauteuils roulants à coups de batte en mousse, excuse-moi, et puis que d'autre côté ça se marra avec, avec des jetpacks et des kalachnikovs, c'est quoi le but? Je vais dire au bout d'un moment. Bah, le but c'est de faire des combats équitables. Mais le but c'est que
Le but c'est que... Mais non mais mec, c'est de la dictature. Combattre un infirme. Je suis assez d'accord sur le pré-seeding. Le seeding. Sur le seeding. Ouais. Bah, alors écoutez, alors quoi qu'il arrive, de toute façon, on a commencé la saison comme ça, on va être obligé de la finir comme ça. On va pas. Là, c'est sinon, si on va jamais s'en sortir. Les mecs, les règles qui changent au bout de. Déjà, les horaires qui ont changé, moi, ça m'a un petit peu perturbé dans ma vie. Hein? Bon, après, ça va, tout le monde s'y est fait plus que moi, donc ça, c'était assez propre, j'ai vu. Hein. Mais bon. Bref, mais pour la de saison 2, voilà. Bof, moi, pas d'accord, qui dit HB. HB, il est pas d'accord. Mais si, HB, parce que finalement, tu pourras peut-être gagner plus qu'une game. Tu sais ce que je veux dire? Bah, non. Justement, le principe du seeding, c'est qu'en fait, t'auras normalement un bon joueur avec un joueur mauvais, un bon joueur avec un joueur mauvais, pour qu'en fait, le tournoi est dur et que les bons, ils se retrouvent contre à la fin, en fait. C'est ça, ah, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des joueurs mauvais pour HB, en fait. Mais c'est surtout, en fait, y a un moment de l'arbre où c'est des joueurs équitables, tu vois, genre... voilà, c'est le, ça, c'est en fait, le 17ème contre le 19ème. Enfin. Le 7ème contre le 19ème. Enfin, non, le 17ème contre le 19ème, quand t'as beaucoup de joueurs, tu vois. Ah mais voilà, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Non mais si c'est pour se manger des Real Madrid Juventus puis de côté des Guingamp-Metz, excuse-moi, mais ça fait avec à moitié. Ça en fait ce sera dans le winner bracket, mais une fois que les gens seront dans le loser, en fait, vu que comme dit les meilleurs joueurs seront avec les joueurs un peu plus faibles dès le début, en fait ça fait que les faibles vont sortir dès le début et vont se battre entre eux dans le loser, tu vois. Ouais. Que comme ça, ça fait vraiment genre, tu les fous dans une pièce, allez-y, battez-vous bande d'handicapés. Allez, c'est plus équilibré, enfin. Battez-vous, je reviens dans une demi-heure, le survivant il a gagné. Ah c'est ignoble. Je te jure, on dirait les camps de travail de la Chine, c'est la Corée du Nord le bordel. Mais surtout s'il n'y a pas de seeding, tu vois, ce qui peut arriver c'est que il peut arriver que le premier. Moi je suis d'accord avec toi. Sort en premier, tu vois. Ouais. Ce qui est pas le but. HB qui dit ça fait des tournois la Zob checkpoint. En vrai voilà hein. Bichebois 2-0 contre Ice Shield. Mais les après, mecs tu mais, vois, ta première mais qui saison, c'est là, d'accord après vous avez lancé. Excuse moi je te coupe. Bon c'est bien vous avez lancé le match les mecs, c'est cool mais il y a des matchs on va commencer à les streamer carrément à fond donc jouez pas tous vos matchs tout de suite les gars hein, sinon ça sert plus à rien. Sinon je fais un tournoi, je mets une feuille de papier sur l'écran et puis je stream rien. Alors du coup, qui a gagné? Attendez, ne bougez pas, putain, j'ai une mémoire de bip. Bichebois a gagné 2-0 contre... Bichebois a gagné 2-0 contre Achille. GG, mec. C'est joli. Mais... Putain, mais carrément. Achille, c'est genre... tu sautes dans le vide, et tu reviens, il te met un coup de cap, tu te retournes, et tu remontes dans le mauvais sens, et t'es décédé. Et ça, c'est pas cool. Du coup, je dans... Je comprends aussi. Blue coloring pour le loser bracket contre Shadow. Ah, Shadow contre 7 Blue en loser. Donc dans le match non streamé. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est Brutal et Mister MD Mister. Vous pouvez. Alors en fait non. Est-ce que Brutal. Alors dans match non streamé, Brutal Legend et Mister, vous allez passer après une fois que le match Shadow contre 7 Blue est fini. Vous passez donc Xeno, si tu peux les choper une fois que ça c'est fini le match là, c'est bon? Ouais, ça marche. Okay. De toute façon, Ember n'est pas là, Fuzzy va avoir 2-0 d'office. Ah bah oui, ouais, bah oui. Ça t-bag. C'est normal. Mais bon, on lui laisse quand même la fin du round de Shadow et Sentinel, histoire d'être. Ouais, bah oui, bon, on attend que tout le round soit fini, hein, mais après s'il est pas là. Voilà, c'est ça, une fois que le tour est fini, si le joueur est pas là, ben. Ah, c'est bien, on peut. Ember qui. Oh putain! Fidèle à sa réputation. Voilà, putain, c'est quoi ce coup là? What the fuck, c'est d'une violence absolue ce truc. 2-0 pour Acid Falcon. 60% quand même. Ah oui, pardon, j'ai raté cette info cruciale. Donc. Bah GG Acid. Acid Falcon donc qui gagne 2-0 contre Erson. Voilà. Et du coup, tu vois, c'est ta première ligue. Du coup. Tu connais pas encore vraiment, au début tu connaissais pas le niveau des joueurs donc le seeding c'est un peu compliqué mais du coup pour la deuxième saison tu connaîtras plus les joueurs. Bah on verra, bah oui bah après tu sais c'est en forgeant qu'on en devient bon à Smash. Yeah. Ça du coup, ça, ouais. Du coup bah on peut me forger des... Voilà. Donc bah Néo, allez c'est toi contre moi en fait hein. Ouais, et du coup monsieur Mister,
Mister, si tu veux, tu peux commenter. Si tu as envie de commenter, je peux te placer au commentaire. Tu vas dans le salon général, et puis je te déplace dans les coms, si tu en as envie. Voilà, voilà. Erson, faut partir. Faut partir de l'arène. À moins que tu veux commenter, hein, tu peux te mettre dans les gradins et commenter, y'a aucun souci. Y'a aucun souci. Je te déplace dans les commentaires, tu peux aller... Ah bah Léonox, qu'est-ce que tu fais dans le... Ah oui. Ah. Ouais, bah de toute façon... Ah, attends. Du coup, je vais m'enlever du vocal. Oui. Alors du coup, c'est Mimzou Léonox. Mimzou, vous Mimzou, dit à Mimzou. Plus. Ça marche. À plus. Et puis bonne chance à toi, mec. Bonne chance. Pas besoin de chance. Nah. Allez, Mister... Mister P numéro 16. Normal. Salut à toi. Il arrive dans la manière. Vas-y, c'est bon, je monte. Hello, Mister. Oula, tu parles pas fort. Dans la cul. Oui, je vais pas brancher mon casque. Attends, non. Mais attends, il est pas dans l'arène. Non, il va commenter, il est pas dans l'arène. Désolé, KGB, Achille a posé une question. Excuse-moi, Achille. J'ai genre, les dames, machin, let's go, on joue. Achille. Alors, non, en fait, alors, faut pas que le bracket, le loser bracket avance trop vite. Si le bracket loser avance trop vite, on va pas s'en sortir. Le loser bracket, c'est... N'inquiétez pas, laissez-nous vous appeler au fur et à mesure, c'est... ça ira bien. C'est Xeno qui gère le loser bracket, vous inquiétez pas, si ça avance à 400 000 km/h, ça va être compliqué. Ouais, en fait, le problème, c'est que j'ai un petit peu trop de fenêtres ouvertes, donc c'est dur de tout voir. Ah, ok, désolé, hein, c'est juste, on essaye de... J'essaie un petit peu de gérer un peu le délire. Voilà. Sinon... On commence le match avec un match-up Ganon-Wolf. L'avantage du match-up est plutôt pour Wolf car il peut camper le Ganon. Mais voilà. Si ça approche, c'est compliqué pour le Wolf de garder la distance. Mimzou qui a pour l'instant l'avantage du terrain et l'avantage des pourcents. Le smash est passé dans la chute, c'est dommage. Mimzou qui garde le contrôle du terrain, c'est très intelligent. Ah, qui perd le contrôle, c'est dommage. Mimzou très intelligent, en... lol. On retourne en face de notre run là pour l'instant. Ça se cherche, et Neonox y a pris l'avantage de l'interaction. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Ça se cherche. On est retourné à 2% even, Neonox a réussi à tout monter. Mimzou qui part contre du terrain, c'est compliqué. Oh. D'accord. Ouh, la roll panique qui a été punie par un autre smash. Je ne sais pas s'il va passer, c'est dommage. Neonox qui joue très sur défensif, il a beaucoup son shield normalement. Mimzou qui en profite du coup. Qui cross les cas. Oulala, ça aurait pu être très fatal ça. Je parle pas français. Mais... Neonox qui... Voilà. Neonox qui part en retrait, qui perd du coup le contrôle de terrain. Là on retourne en face de notre rade. Mimzou qui attend simplement que Neonox approche et aïe aïe aïe. Le forward air qui fait quoi. Ou le pari up smash. Up throw, up air. C'est quoi ces up tilt là, dans le neutral. Oh mais quel. Mais. Ah du coup un Warlock Bench ça tue. C'est quoi la question. Et de mon côté, on vient d'assister à un 3-0 to death de Seth Blue qui a réussi à perfect son adversaire. Oh là, aïe aïe. Bah, du tout Sonic quand ils font là. Le petit Sonic il est en forme là aujourd'hui, je le vois. Neonox qui rattrape son retard, hein. Lentement, mais ça rattrape, à moins qu'il fasse de Gandorf, mais ça a pas l'air. Comme j'ai dit, Neonox joue énormément défensif là, ça gagne donc je suis pas si la meilleure des idées. Suite à ce match, j'appelle donc Brutal Légende et Mister sur le ring. Ah bah je suis en vocal. Ah je suis en compte. Ça marche, bah écoute, fais ton... Enfin, tu commandes ton match tranquillou et puis une fois que t'as fini, viens tranquillement. Tac tac. Et du coup, pour l'instant, Mimzou qui a le seul contrôle du terrain, le contrôle du match. Ça va être compliqué. Quoi. Oh. Cette touille qui a failli passer, mais heureusement que ça a pas fait une tech, je suppose. Et donc comme annoncé, 1 et 2-0 pour Fuzzy par élimination d'Under. Voilà.
Neonox qui revient dans la game, qui part en retrait, qui nous trappe, il retrait notre ability. La back throw. Neonox il attend juste, c'est assez intelligent. Qui cover tout avec son neutral B. Oh le nez, oula, ça éclaire deux, j'ai failli faire la main. Neonox c'est un très bon jeu de ledge trap qui arrive à tellement anticiper le Mizu. Et là bah il garde juste le terrain et il a des amis, il a juste des... ça se précipite beaucoup là. Oulala, oulala, ça panique, ça panique. C'est quoi ça? Je n'ai pas les mots. C'est très très serré comme match. Ça galère vraiment à tuer les deux. Ah, le foratier qui va pas tuer. Ah bah si. Ah putain. Aïe aïe. J'ai joué deux jours, c'est un match très close. Putain, dur. Ah oh, c'est un point qui est dur à mettre chez lui ça. Ah je te jure. Alors que... Ok donc... Xeno, juste à titre d'information, tu fais passer Fuzzy en dernier. Bah de toute façon il est en dernier. Parce qu'il sera peut-être forfait pour le deuxième, pour son loser. Et on retourne sur le match avec exactement la même map. Du coup Nonox je pense qu'il va continuer à jouer très défensif. Hein, quitte à perdre le contrôle du terrain. Ouais, un petit lag, mais ça va. Ouh, le speak qui va passer. Il y a des petits lags là, mais bon, c'est jouable. Avantage pour Mimzu là, clairement. On sera plus contre avec les Faradair, mais. Le F-Smash in the track qui passe. Un Shiny to side B. Ah, bah non, c'était bien tenté. Putain, du lag, ça fait chier. Ouais. Oh, je sais pas pourquoi j'ai du lag, putain, ta race. C'est la bille qui touche. En tout cas, à chaque fois, Neonox, dès que ça soque even, il va jouer très défensif, et dès qu'il va prendre le stock, il va commencer à énormément agresser son adversaire. C'est qu'il n'y a pas une mauvaise idée. Et voilà, allez. Le kill qui est pris. Arrêtez de parler de l'Elite Smash. Facile. Ah si, qui est trigger par l'Elite Smash. Défensivement. On attend. Le Nox qui attend que l'adversaire approche, hein, ce qui est bien, on va dire. Ouh là là. Ça va passer, le bugler qui va passer, le pied. Le side B, side B, qui a pas tech. Neonox dans la sauce. Oulala, ça va pas encore tuer, mais la recovery peut-être. Ah non, pas de. Ouf, ça putain. Ah, même pas de Paxo, étonné. Ça bourre dans le shield, ça bourre. Ça se précipite et ça tue. Du coup, on peut voir Neonox qui va devenir agressif, je suppose, maintenant. Et oui. Ah non, qui joue encore très défensif, hein. Il attend qu'il nous arrive. Oh, le front smash peut passer. Up smash aurait pu être plus viable, on va dire. Ah là là, le bon bait du jab. En tout cas, Nonox qui reprend l'avantage de cette game. Là, je suis avec un shield qui va être forcément fini. Oh non! Oh, pas comme ça. Oh, pas comme ça. Zinedine. Ah mais faut... Je me bats mec hein. Attends... Putain, je transpire de partout, je suis au bout de ma vie. Un partout au nom d'une bite. C'est un match serré. Eh oui, serré comme un... Voilà. Comme des sardines. J'allais dire comme un anus de bonne sœur, mais en fait, voilà. Ouais... Si, je te jure. Je te jure, il paraît que c'est abusé. Je veux pas savoir. Bah, tu crois que je le sais, moi?
T'en connais beaucoup des bonnes sortes, hein. On retourne dans le match du coup sur Bad DS cette fois-ci. Avantage je dirais pour Ganon sur cette map là du coup. Sur les plateformes Neonox peut moins zoner on va dire. D'accord, pourquoi pas ce smash. Double dash attack, upper qui ne va pas passer, ce qui est bien dommage. Ça se précipite clairement là pour Ganon. Ça veut mettre ses coups, ça. Je sais pas si c'est du bait ou juste sa bourre, bonne question. Si il va passer. Oh le bait upper. Ensuite faire un smash, sympa ça. Pas de punish d'air, c'est quel dommage. Ouh, c'est la bonne esquive. L'air de tu mis dans le vide, ce qui aurait pu être puni. Ça veut mettre son down B, hein, ça veut, ça veut. Nonox, bah, qui garde en retrait, qui attend que son adversaire approche. Oh non, le buffer air dodge qui va tuer, aïe aïe aïe. Là faut tuer, là faut prendre Nox pour prendre l'avantage, faut tuer. Et ça tue. Match encore even, hein, seulement 30% de retard. Attention au shield. Hein. Ben voilà, c'est repris. Avantage pour Nox qui a le terrain à plus 7%. Ça reprend en situation neutrale, interaction qui est trade. Nox qui attend plus. La get up attaque ne sera pas punie. Ouh la smash qui est mis dans au pif, on va dire. Domner qui passe. C'est pas au pif mec. Parce que je pensais qu'il allait revenir. En fait, il y a une chance pour qu'il retombe devant moi avec son attaque bizarre. Ouais. Ouais. Et ça peut être assez bien puni. Merde. Ouais. En tout cas. Even, oulala, Minzu qui reprend la game, hein, qui a avantage des stocks. Avec la rage, il va partir très vite, un Ganon. La bonne air dodge. Neonox qui se précipite à un moment. Mais. Neonox bah, qui attend juste avec des lasers. Hein. Là, faut que Minzu arrive à mettre Neonox en désavantage pour bien se mettre, mais ça reste compliqué. Ça approche, ça retraite, ça approche, ça retraite. Oula, ça commence. Aïe aïe. 30% de Johnny en deux phases, oula. Est-ce que ça va remonter de ça? Oula, le smash raté. 200% pour Minzu, hein, sur ODF. Faudra peut-être un jour tuer, hein. La get up attack puis. On est de retour comme avant. 30% de retard. Même stock, 45. Ouh. Un smash encore peut-être plus viable, mais bon, sûrement. Un match très très even, hein. Oula. Ça panique de deux côtés, j'ai l'impression. Ça met des forts d'air dans le vide. Oula, B qui va toucher. Ça va recouvrir avec un CB. Neonox qui est à 4%, faudra faire gaffe. Et qui va juste se contenter de cramper pour l'instant, jusqu'à le mettre à 200%. Ouh, la smash qui est mis. Aïe, aïe. Les deux sont à 4%, là, je pense. Je suis pas expert Fox. Wolf, pardon. Merder. Et Minzu qui veut vraiment approcher. Qui a des fers dans le vide, on va dire. Aïe, aïe, qui obsédé, ça va être compliqué de recouvrir. Ça recouvrit. Neonox ne va pas lenter tous les straps. Il n'y a pas d'acte fini. Oula, c'est ultra close comme match. Oulala, là, là. C'est... Les deux sont vraiment à 4% là. La moindre erreur pour Wolf peut être fatale. Et aïe. C'est vie. Top smash. Ok, ça va pas toucher. Ça va pas de frame. Voilà. C'est très très close. Hein. Mais Neonox va se tenter de camper et d'attendre que Minzu approche. Ce qui est en soi peut-être la bonne chose à faire. Hein. D'ailleurs, t'as acheté pourtant. C'était. Et le backer qui vient de tuer. Quel match close. GG à vous. Bordel, quel match. Mais quel match. Putain. Alors, quel est le gagnant. Putain, bah ça s'est joué au poil de fion, tellement abusé. Neonox qui m'a pris 2-1 en fait. Bon, 9 pour Neonox.
Putain, mais c'était ouf, on était tous les deux à kill pourcent dernier stock. Ouais. Je me suis... Du coup, Mister, tu es convié sur le ring, Brutal Legend t'attendait là. Ouais, bizarre. J'arrive. Ah. Me revoilà. Et donc voilà. J'avoue, bah, c'est le... Putain, mais quel... Quel match, nom de Dieu, quel match. Non, pas celui-là, celui-là. Merci, hein. Merci Pocom. Merci. Du coup, on en est où? On a Brutal Legend. Bah, du coup, je vais le streamer. Brutal Legend contre Mister. Ah, tu le stream, ok, très bien. Bah coup, j'invite Brutal et bah, Mister oui, à retourner sur le ring principal. Et je vais appeler Achille 21 et Gelgior de mon côté pour le loser bracket. De... Ouais, ouais, vas-y, enchaîne. Ouais, ouais, y a zéro souci, mec. Y a zéro souci. Quel match, putain, quel match. Mon de Zeus. Neonox, est-ce que tu es là, Neonox? Ouais, je suis là. Ouais, putain, mec, je crois qu'on est pas passé loin de quelque chose. Je suis pas passé loin, j'ai vraiment essayé de temporiser et tout, mais putain, à la première game, elle me laisse un petit peu amer. Un petit peu bof. Le petit remontada, j'étais un peu... Bon, après, t'as bien géré, t'as zéro souci, donc c'était propre, hein. C'est beau, c'est beau. C'était beau. Bien joué, très belle game. Je crois que c'était le plus close, parce qu'à chaque fois, on se fait croiser dans les tournois quasiment, tu vois. Là, c'était vraiment sympa. Du coup, putain... Il faut qu'on me réveille, hein. Effectivement. Donc, Brutal contre Mister. Brutal. Légende contre Mister. Où qu'il est? Oh, putain, je l'ai pas. Oh, c'est un cauchemar. 3, 2, bon. MD. Robusina. Mister PN Z. Oula, Rob qui a déjà un avantage. Et c'est la mort. Quoi? Comment ça c'est la mort? C'est déjà. Ouais, il a mis un combo off stage et Lucina, boum, mort. D'accord. La scène, alors, c'est attends, est-ce qu'on en. Non, c'est bon. Idée dans. L'idée dans le match non streamé, normalement c'est dans la. C'est dans la. Dans le Discord, hein. Ça devrait être dans le salon non streamé. Match non streamé, blablabla. C'est là, ouais, c'est là. Ah bah, ça a déjà été fait, donc j'ai un petit peu de retard, hein, sur un peu tout ce qui s'est passé dans le monde, de toute la vie, du monde. C'est pas grave. On va faire comme si tout se passait bien. Bon. Un tournoi qui avance très très vite, ma foi, hein. Oulala. Là, aujourd'hui, il avance au paquet. Ah, ça galope, hein. Y a peut-être moyen qu'on se fasse une petite arène en free for all après, comme hier. Qu'est-ce qu'on a rigolé hier, moi. Ouais, on peut faire une arène, et puis... Hier, on a fait du free for all et du team, mais laisse tomber, mec, c'était n'importe quoi. Là, c'est déjà quand même à une stock, hein, Brutal Legend. Ah oui, là c'est effectivement Mister n'a pas perdu une seconde, hein. Alors que c'est... Mais du coup je viens de réaliser qu'il joue Rob en fait. Et Rob qui est un personnage très très technique mais très très fort, hein, quand on sait le jouer de manière à peu près correcte. C'est un personnage très complet, hein, une grosse remontée, des projos, de putain. Wow. Bon bah c'est la mort, hein. C'est un sniper. C'est un 3 stock. C'est un sniper. LOL MDR. J'ai jamais joué contre Rob. Ah! Bah, ça y est, chose faite. Et Faut le download maintenant. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ça pique un petit peu dans le cul, hein. Ouah. En fait, faut surtout être patient. Ouais, moi, ça a très bien marché. Parce contre que toi. Là, il s'est beaucoup précipité. Ouais, mais notre match, là, franchement, je sais pas ce que j'ai fait, hein. Ça sort un Lucario. Bah t'as fait à peu près. Moi j'ai essayé de m'adapter à ce que je pense que tu fais d'habitude, c'est-à-dire. En fait je suis resté en autopilote tout du long et puis fait, qu'est-ce que fou. Tu zones un peu, tu zones avec ton laser, t'essayes de grind des dégâts, c'est normal, hein, la base. Ouais. Ah t'es obligé. Hein. T'es obligé. Et puis moi j'ai essayé d'être un peu agressif, de te mettre sous pression, mais bon. En fait il y a deux fois où tu m'as un petit peu crossover et ça m'a. J'ai pas réussi à te choper au passage et du coup ça a fait un peu la différence. Mais bon. Là ça recommence. Putain la vache, la puissance du... La violence du truc quoi, c'est abusé. En vrai c'est over violent.
Bah là actuellement il fait le problème, il fait juste de punir les actions de Lucario. Là l'interaction elle a été perdue par un contre totalement piffé de Lucario et puis ça a amené jusqu'à 65 dégâts, même plus là. Peut-être même la mort. La mort. Oh non, on est large. Ah, alors que... La mort. Il s'est jeté dans le cul de Rob. Qui s'est fait une joie de lui lâcher une petite caisse en pleine tête. C'est abusé. En fait, il est il a foncé beaucoup trop vite. Il fonce dessus et puis il cadre juste en faisant des attaques le Rob. Lucario, c'est un peu... C'est tout nouveau hein, pour lui. Hein. Il est, Ouf, là c'est le SD. C'est le décès. Ah. Bon bah c'est vite allé hein, ce set. Du coup, ça va un peu vite. Mais putain, ouais, je fais là avec les gens qui jouent dans leur coin, les trois stocks qui partent. T'as pas. Ouais, oui, mais c'est pas faux. Ouais. Donc, du coup, putain, mais j'en suis où, bordel? Oui, le bracket là. Du coup, on a Brutal. On a Mister qui a pris 2-0 contre Brutal Legend. C'est un peu fou cette histoire. Du coup, au niveau loser bracket, je sais pas où que c'est qu'on en est. Après, il y a moyen qu'on le stream match, loser bracket. Aishil Gelgior est en train de se battre, est en train de se dérouler, et Aishil a pris la première manche. Ok, bah du coup, je vais... Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire contre Seth Blue. Seth Blue, tu peux venir dans l'arène, on peut faire notre ça. Match de loser, pour changer. Mais pas celui-là. Et après, du coup, toi, Xeno, tu pourras envoyer ton... Mon match contre Brutal Legend, tout à fait. Ouais. Eh bah, Seth Blue, écoute, dès que t'es chaud, dès que t'es bien, dès que t'as la patate, j'ai le temps de me rouler un pilon. Bah écoute, t'as tout le temps, mec. Évidemment que t'as le temps. Enfin, oui, je pense que t'as le temps de le rouler, parce que là, on a là... J'ai mon match à faire. Puis après, c'est après, toi, que tu fais Neonox. Tu joues contre Neonox. Donc là, il y a un match tranquille. Contre c'est Sonic, parti, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Sonic, hein, putain. Ah merde, les pseudos merde. Ah, tu fais ça au 7 après, enfin... Ouais. Nice Zen, mais ouais mec, détendez. Dur, ouf. C'est le 0 to death là qui part. L'avantage est repris par Sonic. Ah bah mais... Oh respecte-toi. Bah par ça tu veux peut-être pas te mettre muet ou couper ton casque peut-être. Je peux. Te concentrer. Ouais mais moi ça change rien. C'est... T'as meilleur temps parce que je vais... Que je parle ou pas ça... Bah en fait je t'entends toujours, je t'entends toujours de toute façon. Ah. Je suis obligé de... Ça me gêne un peu de parler dans tes oreilles alors que tu joues. Mais non, t'inquiète. Je suis un homme d'action. Et du coup, j'ai droit à une petite remontada du schnapps. C'est pareil ce soir. Bon, allez. On essaie de bloquer en avantage. Et la phase de ledge trap. Qu'est-ce qui se passe hein? C'est le spike, on le sent, le spike. Oh. Vas-y, je le 0 to death, puis je me prends une vieille cacahuète derrière, c'est dégueulasse. Ouais. On prend ton temps pour mettre les pseudos et tout. On va faire ça. C'est un 2-0 pour High Shield. 2-0 pour et High j'appelle Shield. Donc sur le ring de match non streamé, Brutal Legend contre moi-même. High Shield 2-0. Bah je... C'est t'as mis les scores. Mais putain, c'est bizarre, je t'ai pas changé. Je t'ai pas mis en admin, j'ai rien changé, mec. Bah, j'ai juste actualisé, en fait, c'est venu. Je sais pas, il y a peut-être eu un petit plantage. Ah, c'est peut-être parce que j'ai autorisé les mecs à mettre leur score s'ils ont un compte challenge. Alors, j'ai peut-être fait ça, je ne sais pas. Que je viens de prendre 3 socs d'un coup.
Bah écoute, cette Blue, si, oui. Si, il me semble que tu m'as mis admin, oui. Hein, vu que j'ai pu kicker des membres et en rajouter. Oh, peut-être que je t'ai mis alors, écoute. Bah, bah oui, 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 mais j'ai fait ça, ouais, il y a longtemps en fait. Ok, l'avantage qui est pris par Ganondorf. Et Sonic le reprend, et met une phase à 35%, 56. Essaye d'edge guard, mais il a pas réussi. C'est le décès. Quoi, mais c'est quoi ce délire? Il s'est remis une stock à une stock, enfin deux stocks à deux. Le mec il passe sur notre alerte, la blague. C'est quoi ce film de cul là depuis tout à l'heure? Sonic est bien au punish game. Ça c'est puni. Putain d'up smash, espèce d'abruti de mongolien. C'est le bouquet. Ouf. Ouh, le spike sur le terrain qui enlève la stock. C'est ouf. Pas beaucoup de pourcent. Le F smash qui tue. Enfin, c'est bon. La puissance de ce F-Smash, c'est incroyable. J'aime bien. Ouais, là, c'est fat. Non, mais pas comme ça. En fait, Mister qui dit... Ouf. Ouais, 1-1, ouais, du coup, ouais. Du coup, ouais, 1-1. Putain, allez, bordel de bite. 1-1. Là, c'est, allez, quand même, c'est quand même pas le... Je peux le tuer à 20%, oublie pas. N'oublie pas. Quel scandale. Avec un gros cas. 20% nul. Ah, mais ça rissant, gars, il a pas de muscle dans les jambes. Il fait 11 kilos à tout caser. Mon épée elle est plus lourde que lui, mec. Et je suis sûr que c'est même pas une blague. Faudra vérifier. Alors ça me saoulait, ça y est. Oh, bah, bah. J'ai joué avec le feu. Putain. Non. Ah, il fait 35 kilos ce mec. Il mesure 1 mètre. Ah, c'est ma bite. Pourquoi je suis allé chercher ça? Non, c'est pas vrai que je meurs là. J'aurais pu faire un putain de... Mais je suis en mongol. Ah, je suis tellement mort. Tellement mort, c'est tellement la fin. Non mec, tu dois rattraper. Je vais péter ma manette en vrai. C'est Nick qui reprend l'avantage. Bah un petit peu quoi. Un peu ouais. Le smash qui passe, qui enlève la première stock. Ah, c'était un petit peu ambitieux. Oh, c'était passé quand même. Il y a moyen de moyenner, hein. Ça dure.
Oh mais pourquoi elle a fait ça ce con? Grosse couille. Pourquoi j'ai... Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'était juste un putain de spike, j'ai mis. Tu veux que je te dise la vérité? Je te jure c'est vrai, la tête de ma mère, en pressant mon stick vers le bas, j'ai accroché le bouton B et il est parti. Ah putain, merde. Mais en vrai ça aurait passé, ça aurait été incroyable. Ah bah non mais là c'était la mort en poule, mais oh c'est pas vrai. Oh c'est pas vrai, pas comme ça Zinedine. Oh il devait se passer, ça devait se passer tellement mieux aujourd'hui. Oh. Oh mon dieu, aïe aïe aïe. Du coup, qui parle? C'est toi Néo qui parle, oui. Du coup, alors bon, oh là là, attendez, je m'en remets, ça m'arrive des fois. Oh, et bah GG cette blue, y a un peu de sel dans la, y a un peu de sel, mais un beau lac pour la deuxième stock pour remonter. Ah putain. Bref, du coup on en est où? Donc ça c'est fini, ça c'est Xeno que j'imagine qui est en train de jouer contre Brutal Legend, et ça on a Saiyan et Erson contre HS Fuzzy qui va se jouer. Si alors on va jouer déjà Xeno, voilà. Si Fuzzy n'est pas de retour, on va le forfait. Oh, c'est la sortie de votre humble serviteur. Du coup, ce qui va se passer au niveau des coms, en fait, on peut pas être 3 dans les tribunes, c'est trop, sinon il y a des risques de lag. Donc, c'est Uneo ou Mister qui doit sortir. C'est à vous de voir. Après, moi, ça m'est égal, hein. J'ai déjà commencé à commenter depuis le départ. Oui. Et puis... j'ai bientôt mon match, je suis encore bah tu joues maintenant en fait. Bah en fait ça règle tournoi. Bah oui en fait ça règle la question, parce que tu joues maintenant, parce que là on stream les winners, donc yes, bah oui en fait ça règle la question. Et Mister qui reste commentaire, ah bah d'accord, ah bah il est parti. Ah bon. Bah tu joues quand même avec Il peut revenir. Ah mais lui aussi en fait il est dans, ou bien, mais il est en, mais c'est le match après. Oui, ce match après on est large. Du coup tu peux revenir si tu veux, Mister, désolé. Et comme ça, tu seras dans l'arène pour le prochain match de toute façon. Et bah, Seed Falcon contre Nonox, hein, vous pouvez lancer les mecs, allez-y. C'est parti. Allez-y. Ah, je suis un peu triste. Je vais m'enlever du commentaire. Hein. Je suis un peu de tristesse. Bah. Ah oui, faut que je t'enlève. Bah non, mais tu peux t'enlever tout seul, tu sais. T'es admin maintenant, tu le sais. Ouais. Ah oui. Moi, je t'informe. Donc, voilà. Nonox contre Acid. Oh, je suis tellement. Ça m'énerve parce que contre Neo, j'ai tellement bien accroché le truc. Et c'était bien. Et là, j'ai fait la merde. Enfin, j'ai fait de la merde, non. En fait, j'étais pas pris au sérieux assez. Voilà. Même si j'ai eu un vieux sentiment que c'était, ça se démal, c'est passé. Enfin bon, ouais. C'est pas grave, on va pas ruminer pendant 847 ans. C'est pas grave, j'ai perdu, poil au cul, t'es grain majeur. Voilà. Cette fois-ci, je finis au-dessus de toi en classement. Aïe. Aïe. Ouais. Tu peux me move. Oui, merde. Mais effectivement, ne bouge pas, j'arrive. Du coup, quoi? Ma partie est terminée contre Brutal Legend, je l'ai emporté 2-0 et on avait dit que Fuzzy du coup était forfait puisque les matchs de tour 2 du Loser Bracket sont terminés. Oui, effectivement, les matchs du Loser Bracket sont terminés. Alors que c'est parti. 2-0 pour Saiyajin Erson. Remister. 2-0, oui, ouais. Je te laisse reporter les scores. C'est fait. Ok, cool, merci. Alors que finalement, Xeno, tu as gagné ton pari, je suis sorti avant toi. La routine habituelle, quoi. Culé. Non mais je suis tristesse là, t'as pas vu le match, mais je suis tristesse mec. Non mais je me suis fait doser, je me suis fait doser là. Enfin bon, oui Mister, heureux, excuse-moi, hein. J'ai joué contre Ganon juste avant, ouais mais même. Genre en plus j'ai les strats pour te baiser, je les connais mais je les ai pas faites bien, c'est pas grave. Bichebois, je suis contre le robe, eh oui, eh ben oui, je vais devenir qui tu combats au fight d'après. Ouais donc excuse-moi, oui bien sûr, Mister, vas-y. C'était plus chaud pour moi que pour commenter parce que moi je suis éclaté. Ah, ça shield break. Donc là on a un match de winner semi du coup. Et bah Lucina face à Wolf, le Wolf qui a perdu une stock et le MU je dirais l'avantage à Lucina car elle peut facilement chercher offstage le Wolf. Voilà. Ah ouais t'es chaud en fait. Ah oui non mais moi je suis chaud. Hein. Non je veux dire la méta toi tu l'as de bout en bout. J'ai clairement. Ah mais moi la méta pour moi c'est t'as des boutons, ça tape vers là et là-bas ça tape à gauche et là ça tape à droite. Puis là c'est Ganon et Ganon il fait boum boum dans ta tête. Hein, un peu ça. Ouais, oui. Je. Et donc là du coup Acid qui essaie de l'edge trap si je peux passer, donc
Neonox reprend contre le terrain avec le petit trap. Et on retourne en phase neutrale. C'est là se cherche. Neonox qui va camper. Du coup pour éviter de passer à kill pour Sunt là. Parce que c'est une campouse. Ah du coup un match un peu... D'accord. Ah on ah. Croyait que ça tuait mais ça tue pas. Et là Neonox qui a... Ah, on a vu en match qu'il partait souvent en retraite par des neutral bis, sauf que face à Ephina c'est compliqué parce que c'est un perso très rapide avec une très grande portée. C'est pas vraiment la meilleure décision de camper. Ah bah avec Lucien oui j'imagine. Je crois que Lucien le jour où il rajoute un projectile juste pour rigoler, ça deviendrait n'importe quoi. Pourquoi pas sûr. Le personnage lancer son épée comme une salope. Bah c'est sympa, Chrome Hike avec leur bien en soi. Non mais vraiment la lancer comme un projectile quoi, comme les haches de Richter par exemple. Ah bah en mode boomerang. Ça serait stylé ouais. Pas forcément boomerang en ligne droite. Bah si parce qu'il faut qu'elle la récupère, elle peut pas, elle a pas des épées infinies, ça veut plus rien dire. Non mais genre comme les flèches de Link, tu sais, genre quand elles tombent tu peux les ramasser, c'est un peu pareil. Ah tu peux les ramasser flèches de Link? Ouais quand elles tombent sur le terrain je peux en ramasser. Sérieux? Le Link normal ouais. Et après soit tu peux la lancer, soit tu peux tirer une flèche à nouveau. Spike. Oh. C'était une belle remontée de la part de Neonox. Et Neonox qui prend cette première manche. Alors... Putain, une super belle game hein, de Neonox. Mais est-ce que... Dommage pour le lag. Ah oui, bah ça... Il y en a encore pas trop franchement. Hein, je pense que ça va... S'il vous plaît. Non mais en fait, de toute façon, dès que t'es online, c'est toujours plus lent, c'est machin. Je crois qu'entre l'online et le off, sans lag, t'as 5 frames de retard. Mais 5 frames de retard, mec, c'est beaucoup 5 frames de retard, mec. Ouais, c'est énorme. Hein. Bah oui, évidemment. Ouais. Surtout que Acid Falcon, il main Captain Falcon. Et, quand tu mains Captain Falcon, et puis surtout quand t'as tes inputs vachement au poil de cul, comme Acid, en fait. Acid, c'est un mec qui est très au poil de fion, si tu veux, au niveau input, mais vraiment... enfin bref. Un peu comme toi, il connaît la méta de bout en bout. Hein. Et donc voilà, c'est... Enfin bon, il faut vraiment qu'il... C'est pour ça que... Oui. Moi j'ai arrêté les persos combo parce que je peux faire quasiment que du online. C'est pour ça que je traîne un Mars sans vraiment combo. Voilà. Ah Mars, c'est pas combo Mars? Bah, de la manière dont je le joue, non, c'est pas combo, c'est plus être sûr. Je vais attendre une erreur, puis je vais bien punir jamais. Tu vois. Ah bah faut jouer Ganon pour faire ça. Non, j'aime pas. T'aimes vraiment pas, mais arrête, pour niveau punition c'est absolu ce truc. C'est en BO5 camp, je sais, mais... pas de suite. Que là, la finale winner, la finale loser et la grande finale. Bichbua. Xeno a gagné, Bichbua, Xeno a gagné. Quoi? J'aime pas Ganon, c'est beaucoup trop long. Hein? Xeno a gagné. Ah mais non, mais tu t'es dit... qu'est-ce qu'il dit? Ah mais j'ai lu un truc et ça m'a induit, d'erreur. Ouais, du coup, on est dans un match très close. Et la stop qui est pris pour Neonox. Oh là là, Neonox qui est chaud, en vrai. Ouh là, Smash était énervé un peu. Acid qui galère un petit peu à la sutrap, qui veut juggle, mais qui rate à peu près tout seul après. Ce qui est bon. Acid qui a bourré dans le shield, là. Et puis, le forward est en désavantage qui va passer. Ah oui, Xeno a gagné, Bichbois, pardon. C'était une question. Ça... Oui, il a gagné 2-0 contre qui? Il a gagné 2-0. Contre Metal Legend et j'attends High Shield. Ouais, c'est ça. Ça va jouer contre High Shield, donc... Ah oui, c'est ça, en fait, c'est le match-là dont tu parles. Excuse-moi, je fais que de couper, Mister, désolé, mais j'essaie d'un petit peu... T'inquiète. Mais moi, tout à l'heure, je veux dire que Acid, il bouffe énormément, je trouve, là, pour l'instant. Il se précipite beaucoup avec des forwarders un peu à peu près partout. Ce qui est un Neonox profitant, il va juste venir. Ah mais c'est... Mais en fait, contre l'os c'est un peu compliqué, quand t'as pas de projectile en retour en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est... Du coup, t'es obligé d'y aller. Bah t'as bien vu, moi comme je dis toujours, contre un personnage comme Wolf, ça se transforme en jeu de plateforme en fait, faut vraiment esquiver, j'ai l'impression de jouer à Donkey Kong sur Atari, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas Ganon, c'est trop loin, c'est un sac à combo sans projectile. Oui, mais quand dès que t'approches, et bah le mec il chie dans le bénouze. Oui, comme disait Antoine Griezmann, dès qu'ils sont près de la surface, c'est caca culotte. Voilà. Je cite Antoine Griezmann, attention. Philosophe du 21e siècle. Avec Ribéry. Non, Ribéry, c'est autre chose, mec. Ribéry, c'est... On peut pas comprendre. Il est tout là-haut avec Jean-Claude Van Damme.
C'est possible de faire mon match après. Après quoi? Bah, iShield et Xeno, de toute façon, ça déroule à peu près tranquillement. Donc, c'est Blue. Mais après quand? Parce que. Va falloir qu'on me garde un petit rythme. Si tu me dis dans 20 minutes, on est peut-être mal. Après Xeno et iShield? Oui, vous pouvez, tant que moi ça déroule à peu près correctement. Mec. Même si, mec, une tech, je pense pas que ça aurait pu revenir. De toute façon, c'est l'arène perdant, donc. Scan. Et ça joue Geodox maintenant. Qui a l'avantage, qui a juste l'avantage du terrain, des pourcents. Acide qui a du mal à poser son jeu en soi de juggle, etc. A savoir que Xeno, pas Xeno, Neonox, il est premier de la LDT. Hein. Donc, si aujourd'hui il se met bien, il creusera encore l'écart. Voilà. Sachant que. Il a fait. En 4 tournois, il a fait 3 finales. Et une finale loser. Et que, si je dis pas de bêtises, Acid Falcon a fait 2 tournois et a gagné 2 fois. Ah ouais, non, mais il a roulé ce truc. Il a... 2 fois, je crois, il est allé en loser bracket. Alors, celle-là. Ça, c'était très. Quelle belle finish ça. Ça, Neonox, en fait, une fois, il me l'a casé, il m'a dit Et j'ai l'impression qu'il savait pas trop que ça spikait. Et depuis, j'ai l'impression qu'il la place de plus en plus souvent et que c'est assez pété comme truc. Et bah, du coup, ça fait. Putain, ça nous fait 2-0 pour Neonox, c'est assez ouf. Neonox, 2-0. Bon. Et bah, tout ça, c'est. Voilà. Donc, du coup, j'appelle Mister contre Bichebois dans l'arène. GG Acide, hein. GG Acide. Bah, du coup, Neonox qui revient en commentaire, j'imagine. Oui. Mister contre Bichebois, c'est parti. Moi, en attendant, je vais changer les pseudos parce que Jean-Michel réalisation... Du coup, commentariat, on fait comment? Commentariat, on fait comment? Bon, on est bien, là. Bah là, c'est Mister qui joue, donc... Donc, de toute façon, ça pose plus de problème, là. Je reprends le commentary ou... Parce que bah, il oui. joue, maintenant. Écoute, bah oui, bah t'es là... Enfin, si tu veux, hein. C'est comme tu le sens, hein. Ouais, non, je reprends. Allez, nickel. Donc, du coup, on a... Acide... Non, pas Acide. C'est quoi le match, Gigi? Oh, Mister contre contre les Beach Boys. Oh là là, le salt. Oh mec, faut que j'arrête de boire des energy drinks en tournoi. Les gars, vous... Et vos commentaires. Vous devenez cringe les commentaires. C'est juste pas smash, quoi. Ah oh, ouais, les gars, sérieux, allez, un peu de fair play. Mister contre Bichebois, non. Putain, j'ai une mémoire de merde. Mister Biche. Contre Bichebois. Ah, je suis déjà au winner final. Oui. On était pas beaucoup aujourd'hui, on était. Non, c'est. Ok, ouais. Bah, on va. Faut stream les games de loser, hein, comme ça. Bah, écoute. Sinon, ça va aller plus vite que prévu. Bah, là, on va streamer ça là. Bah, après, si ça fait de avant. De base, on finit à 18h. Bah de base... Bah non, voilà. Parce que... Alors non, parce qu'en fait, normalement c'est 3h, donc avant c'était 15-18, maintenant c'est ouais. 14-17, mais après si c'est 14... ça finit... Ça fait à peine quasiment 1h30 qu'on a commencé le tournoi, il y a déjà mais un mec, joueur en 1, 2, final. On a streamé 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Il reste un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs à streamer. On a la moitié des matchs streamés. Ouais, c'est tranquille. Parce que les demi-finales, je les stream toutes, hein, winner et loser. Yes. Voilà. Oulala, alors que ça tire à balles réelles dans le... Qu'est-ce que c'est ce bordel? alors qu'il y a la queue à l'arène. En fait, faut casser 10 en live, quoi. Alors les gars, là, oh là là là, les gars, arrêtez de vous tabasser dans le chat, ça sert à rien. Ah si, tu pourrais quitter la reine, s'il te plaît. Ça sert à rien de se tabasser, les mecs, on est pas là pour... Si c'est pour se faire des commentaires dégueu, ça sert à rien, les gars, sérieux. En fait, je peux pas voir le chat, moi. HB qui dit je prends mon popcorn. C'est horrible. De quoi? Le chat, quoi? J'ai pas compris. Ah.
Y a pas de quoi. Voilà, chacun peut dire ce qu'il veut. Je m'en fous. Y a trop de lag sur la côte Néo. Ah, y a du lag sur ma côte. Bah après voilà, oh. Le truc c'est quand t'es en ligne, c'est possible. Hein. Oui, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Je sais pas, tu sais. Après le problème c'est que dès que t'as de l'input lag, ça peut arriver qu'il y en a un qui ait de l'input lag et de l'autre de côté il en a pas, tu vois. Et voilà, c'est pas nouveau. Bah... Généralement les deux ont du lag quand y en a, mais moi j'ai pas senti de lag personnellement. Ah moi perso ça m'est déjà arrivé que j'ai un gros input lag dans genre une demi seconde dégueu et que l'autre en face il dit bah non ça va. Du coup tu fais bah ouais. Moi aussi ça m'est déjà arrivé genre qu'il y ait du gros lag, pas vraiment des freeze ou quoi que ce soit tu vois. Mais genre, non mais genre t'appuies sur une touche et ça prend l'input 8 ans après quoi. De toute façon, acide. Mais pas saut, alors que ouais, oui, après, voilà. Si c'est pour, balancer des sauts et tout. Après, les gars, je veux juste que vous respectez entre vous. Moi, c'est juste, c'est tout ce que je demande, voilà. S'il y en a qui dit, ouais, ça me saoule et tout, on va pas insister, quoi. Ça sert à rien. Tu m'en fais pas parce que tu joues pas en off, ça veut dire. Si, je pense qu'on joue tous en off, en vrai. Bah, de base, moi, je suis un joueur off. Après ça fait un moment que on est confiné donc je t'avoue que les réflexes en off je les ai plus trop moi perso dans les mains. J'ai plus ce truc dans la tête tu vois c'est comme je sais pas c'est bizarre. Moi, ça se remarque normalement que... ouais mais c'est ça fait ça se remarque mais ça fait un mois et demi que j'ai pas joué en off donc tu vois c'est moi je peux jouer quasiment tout le temps en off parce que j'ai un frère donc Ah ça c'est vrai que t'as de la chance alors que moi ma fille elle est un petit peu jeune pour jouer et puis ma femme s'en tabasse ils sont plus jeunes que faut leur apprendre. Moi si j'ai un enfant ça sera un top player de Smash. Ouais après ça se trouve il sera né il aura pas de main. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué mais il va réussir. Après je veux dire, tu sais, un jour tu tombes amoureux d'un pingouin, vous faites un enfant, ça peut partir. Un pingouin. C'est un espèce d'oiseau qui a pas de main. Donc ouais. Tout peut se compliquer tu vois. Bah il a à peine des ailes de toute façon. Moi j'aime bien les pingouins. J'appelle à présent Seven Blue et Saiyajin Erson sur le ring. Oh, Achille qui dit dommage Xeno, j'imagine que t'as perdu. Xeno? Ouais. Ah oui d'accord. Oh là là, oui bah oui, ouais bah en même temps, voilà. C'est Achille qui est une autre espèce de rouleau compresseur mais quand même. Bon les gars, sérieux, je vous jure dans le chat. Si ça commence à... Les gars, est-ce qu'on peut pas juste dire GG puis voilà quoi, je veux dire. Parce que en fait moi comme j'ai pas le chat, qu'est-ce qu'il y a en fait, j'ai pas trop compris. Bah ça se prend un peu la tête là, Sur quoi? Bah parce que Acid il a perdu du coup ça lâche des salts et tout, Acid il fait c'est bon garde-toi le sel tu sais. Ouais, ce qui est drôle la dernière fois quand on avait joué contre il avait gagné et il y avait pas de lag à ce mais enfin je sais plus. Oh alors après en étant vraiment fair Acid ça fait deux fois qu'il gagne le tournoi et ça fait deux fois qu'il dit qu'il y a du lag de ouf hein de toute façon. Moi j'ai toujours entendu dire qu'il y a du lag et que ça le saoule et voilà. Et que de toute façon, quand tu joues en ligne, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, bah de toute façon, il n'y a plus trop le choix. Tout le monde commence à se plaindre du lag, hein. C'est quand même quelque part vrai, mais. Faut qu'on s'habitue parce qu'on n'a pas le choix en fait. Ouf! Dur! L'autre il met sur la tête et l'autre il part vers le haut, c'est pas mal ça. J'aime bien. C'est une victoire pour. Du coup putain et ça se tabasse de partout sur l'écran dans tous les côtés. Oh là là. Je sais pas quoi tu vois. Est-ce qu'on peut juste. S'il vous plaît. Après j'apprécie que vous mettiez des majuscules en début de phrase. Ah vous êtes sur téléphone peut-être.
trouve ça assez respectable. Mimzu, je viens de t'insulter en DM là. Ah bon? C'est gentil ça. Moi, il t'avertit. Je suis. Si jamais, si t'ouvres tes DM, je t'ai insulté. Sur mes DM quoi? Mes DM Twitch ou mes DM. Parce que j'ai pas les DM Twitch affichés, c'est compliqué. Attends, j'ouvre Twitch. Non. Mais non. Mais non, mais Achille, tu n'es qu'amour. Je le sais, allons. Allons, inconscient, inconscient. Jeune innocent. Ah, Achille. Mon dieu. Achille, gredin. Espèce de paltoquet. Je n'y crois pas. Venant de toi, ça me... C'est un truc de ouf. Je suis déçu, franchement. Je suis déçu de toi, Achille. Franchement, à un moment, j'ai cru que t'étais un peu cool, un peu sympa. Et là, de voir ça devant toi, je sais pas. Je suis un peu tristesse. Bon. Allez, mec, ouais, franchement, vous faites une arène, vous tramelez ça en 1v1. Est-ce que là, ça se fait, mec, là? Moi, j'ai du mini-match. Bah vas-y, compte le match, mais enfin franchement, c'est compliqué de compter le match quand les gens qui s'éventrent dans le... Non, mais faut que dans, tu fasses un mini-match dans le chat. Un mini-match. Ah non, je ne pousserai jamais au mini-match. Sachez-le, jamais. Mais j'ai rien à prouver, oui, c'est vrai, c'est sûr. Après le tournoi, la code Neonox et son frère étaient déjà victoires, mais j'avais pas manqué de faire remarquer, donc là je joue à nouveau contre Neo et Rebelote. Bon. Bah moi je suis pas technicien Nintendo donc en fait je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau là mais l'esprit Coubertin, n'est-ce pas? Mais je sais pas, il y a... Je sais par exemple, en fait... Alors en fait, moi Neonox, en toute franchise, hein, en toute franchise, moi j'avais... Il y a Captain Fuzzy qui a beaucoup de problèmes de lag, mais beaucoup de problèmes de lag, et lui disait qu'il laguait pas. Il arrêtait pas de dire qu'il laguait pas. Et nous, à chaque fois, c'était injouable. Je te jure que c'était injouable, mec. C'était un truc de fou. On jouait, j'ai l'impression que c'était... ça frisait toutes les 5 secondes, ça frisait une demi-seconde. Enfin, c'était injouable. Il disait, non, mais ça joue pas. Mako, elle est bien. Et donc, en fait, c'est bizarre. Donc, il y a des trucs qui se passent, je sais pas quoi. Je sais pas. Je saurais pas dire, je sais pas comment. Est-ce que l'exigence de l'un, finalement, c'est un peu plus que l'exigence d'un autre, niveau connexion, je sais pas. C'est pas grave, je vais prendre les gamins et personne ne va s'amuser. Avec le smiley, oh my god. Ah, celle-là, putain, ça y est. Ah, après, putain. C'est sûr que t'es habitué à ta connexion, tu vois. Ouais, bah oui, bah c'est sûr, c'est sûr. J'essaye un petit peu de faire le diplomate ici, mais j'avoue que là, Acid, il m'a tué. Il m'a tué fois 1000, mec. Il va nous faire la même que la semaine dernière. Ah, ça va être ignoble. Bon, les mecs, préparez-vous, hein, ça. Vas-y, Croco. Pourquoi vas-y, Croco, plus que la chasseuse de vampires? Là. Plus que Buffy. Oh, le sniper. Ah, j'ai cru qu'il l'avait eu, là. Ah la vache. Ah bordel. Ah du coup faut que je swap les players. Hein. Du coup on en est où? Ah bah Mister qui a deux frames de prendre sa deuxième game. Il meurt à 200% donc je pense pas. Ouais enfin c'est pas forcé hein. Là à mon avis la hache ferait le café hein. Take this. Après il a quand même une frame d'avance, un stock d'avance donc voilà. Toutes les couilles sont là mais Neo ça se ressent trop, après t'y peux rien, t'y perds. Oui bah non j'y peux rien mais bon moi j'essaie juste un petit peu de faire en sorte que ça se passe bien, que les gens s'insultent pas, donc du coup quand ça s'insulte dans le chat, moi ça me... Je le prends un peu perso parce que t'imagines bien, moi je crée des events comme ça pour bon. En fait, moi, ce que je veux pas comprendre, c'est pourquoi c'est venu aux insultes, tu vois. Bah, c'est parce que il y a Erson qui a commencé à spammer un peu le sel dans le chat, et puis, si, ça l'a un peu saoulé, voilà.
Entre autres, hein, après j'ai pas tout vu, mais je pense qu'entre autres c'est ça. Donc du coup, retour au live. je vois pas ce que j'aurais pu faire. Ah. Bah du coup, la bonne nouvelle c'est qu'il te reste une chance. La mauvaise nouvelle c'est qu'il va falloir saisir. Donc du coup, Mister qui prend ce quart de finale 2-0 contre Bichebois. Et nous en arrivons donc au demi-finale, et c'est Neonox contre Mister, mes deux commentateurs, c'est fou. Yes. Les Attends, deux. Du coup là, on doit jouer contre Neonox, Neonox, Mister. Y'a pas les losers à streamer d'abord? Non, parce qu'on est pas en demi-finale. Là, on arrive en demi-finale, donc les... Bah non, parce que High Shield, ça a déjà été joué, et 7 Blue contre Erson, ça devrait être en train de se jouer, normalement. T'es en train donc de se jouer, T'es en train de se jouer. Du coup. Et là, ouais, et là, on commence à tout streamer jusqu'au bout de la fin du bout. Du coup, vous me permettez, je vais juste faire une pause pipi. Fais une pause pipi. En attendant, je vais raconter une petite anecdote. Voilà. C'est bien. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Alors, si, je vais raconter une. Pour ceux qui n'étaient pas sur le stream hier, c'est l'histoire d'HBZ qui va à un tournoi à Colmar. Et au tournoi à Colmar, il y a un jeune qui joue Sonic. Qui joue très bien Sonic et qui va gagner le tournoi en fait. Il a défoncé tout le monde, il a défoncé moi HB, il a écrasé tout le monde avec son Sonic dégueulasse. Et en plein match, il y a HBZ qui lui dit il fait chute. J'ai déjà raconté hier, mais tout le monde l'a. Mais je sais. Incroyable. Super, mais du coup, je vais pas la. Allez, à plus, GG à toi, cette Blue. Ah, t'as perdu cette Blue. Victoire 2-0 de Erson, je vais reporter le score. Ah super, non, mais t'es tellement attaqué, je te jure, si t'étais une meuf, bon, t'serais toujours moche en fait. Je suis désolé, mais si j'étais une meuf, j'aimerais pas les chauves. Ça serait compliqué. Hein. Qui ça, moi? Bah les deux, hein. Autant lui que moi, hein. excuse-moi. C'est le bout, tu vas aller en vac? Non, je vais aller sur un autre stream. Oh bah non, ça va aller, bah allez. Parce qu'initialement, c'est toi qui cherches la merde. J'aime bien, c'est moi qui fais chier alors que l'autre qui passe son temps à se plaindre et qui m'insulte. Les gars, sérieux, je vous jure, sans déconner, C'est pas la foire aux enfants, si vous avez des problèmes à régler, vous les réglez sur le ring, mais pas devant les yeux de tout le monde, s'il vous plaît, un peu de retenue. Ouais, mais c'est même pas ça, après ils ont des choses à dire, moi je suis pour que ça se dise, mais Ils peuvent se whisper sur le Discord, voilà. Alors, bon. Erson. Acide qui a dit que la co elle était pas terrible. Toi t'as spammé le sel, t'as respammé le sel, bon. Voilà, Acide qui a dit bon voilà c'est bon, arrêtez que ton sel et voilà, et puis c'est reparti comme ça. Donc voilà. On est là pour s'amuser, on a tous pris notre dimanche après-midi pour être là, pour se tabasser, machin, pour rigoler. C'est quand même dommage d'en arriver à. Voilà, pour le moment, on a fait 5 tournois jusque-là. Les 5 tournois étaient dans un esprit sportif et d'amusement. Franchement, ça s'est super on bien pas passé. Ouais. Bah ouais. Sinon, moi, je viens à Colmar. Je te préviens, je viens à Colmar. On va commencer à mettre tout le fond des sanctions. Hein. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je vais venir avec des Tchétchènes, des bûcherons slovènes. tu vas voir, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors du coup, Mims, est-ce que je lance les matchs de losers de la prochaine vague ou... Ah bah non, parce que maintenant on va tout streamer, toutes les demi-finales, on va les streamer, tout. Partie demi-finale, on stream tout. J'ai mis le sel 3 fois, c'est pas la mort, il m'a insulté direct. Bon non, c'est pas la mort, mais... mais après voilà, faut dire... Après, faut savoir couper. On dit, ah, pardon, c'est bon. Je voulais pas enflammer, pardon, je veux pas mettre sel, pardon, je voulais pas si ça, voilà, terminé. Enfin bon, c'est pas. Si c'est une histoire de taille de bite, on s'en sort pas. Hein. Je vais vous envoyer tous les deux en aller simple au Congo, vous perdez. Hein. Direct. Que n'y ait pas de la méta d'un jeu, qu'on est sur un tournoi online et que ça like, sort pas. Salt sur une game qui est escalée parce que la co est nulle. Oui, après, voilà, des deux côtés, c'est recevable, que c'est un peu parti vite à cause du sel, et que c'est un peu parti vite, et que voilà, et que le sel, ça saoule des gens, voilà. Il y a des streams où les kappas sont complètement ban. Tu mets un kappa, t'es ban instant, tu vois. Bon, j'ai la plus grosse après. Machine qui dit j'ai la plus grosse après. Machine. CBO5. T'es pas une femme. CBO5. Non, 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 non.
non, pas du tout. Les BO5, c'est que la finale winner, la finale loser et la grande finale. Donc ah, on est... la finale winner, là, normalement. Là, c'est la finale winner. Ah, merde, pardon. Oh là là. Ah, oui. Oh là là, j'ai fait caca dans mon pantalon, encore une fois. Je te remercie, bordel. Neonox contre, du coup, Neonox. Non, mais je suis au bout, là, je suis en train de... C'est dur de faire un peu tout. Oui, allez-y, lancez, mais carrément. Lancez, les gars, lancez. Yeah. Oups. Bon, est-ce que ça va se passer comme la dernière fois et j'ai 3-0 ou 6-0? En fait, moi, enfin, je vous explique. Franchement, je pense pas que Erson voulait être méchant. Et Erson, je te promets que Achille, c'est un gars qui est super cool, super détente de ouf. Et vraiment, voilà quoi. Voilà. Regardez comment il me parle, c'est pas normal de parler comme ça à un mec qui a mis juste une émote. Oui, d'accord, les ta gueule, ça a rien à foutre là, on est d'accord. Mais on va pas passer la nuit là-dessus, putain! Sérieux? Ça sert à rien. Après, sans vouloir être péchant, il dit que ça lag, tu mets sel, il dit ouais dommage, ça a lagué, dommage, tu mets triple sel, il dit ferme ta gueule, joue pas mes persos, il y a trop de lag, et tu remets un sel derrière. Je veux dire, entre nous, voilà, entre nous, enfin voilà, je veux dire, bon, c'est, voilà, il n'y a pas à dire ferme ta gueule, mais d'un autre côté, ça a un peu insisté, c'est avec le sel, tu vois. D'accord, on est d'accord. Voilà, donc ça sert à rien de se tabasser, c'est de la merde, Camelo. Il aurait simplement dit que ça me dérangeait. Il a quand même dit ferme ta gueule. Enfin, moi je pense qu'il y a un indice dans cette phrase, ferme ta gueule. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir lire entre les lignes, et même sur les lignes en fait. Je pense que c'était assez clair. Ah bon. Donc là on a un BO5, hein. C'est bien une fois que les insultes ont lâché. Oui, mais... Bon, allez. Je vous propose... Écoutez, ça sert à rien. C'est nul, c'est inutile. Au bout d'un moment, on va pas... Voilà, on... Comme disait un humoriste très célèbre français, il disait... On n'est pas là pour polémiquer, ni pour personne d'autre d'ailleurs. Je trouve cette citation incroyable. Voilà. Bon, du coup, on en est où? Putain, mais j'ouvre tellement ma gueule, j'ai tout raté. Y'a quoi? Y'a 4 stocks qui ont sauté, 3 stocks qui ont sauté et j'ai rien vu. Et du coup, on reste sur le robe de Mister et le Neonox avec son wolf infernal de l'enfer. Voilà. La doublette, putain, la violence. Ah, c'était... Ah, t'es encore là, bordel. Ouais, moi, j'aime bien avoir du bruit de fond. Ah, d'accord. Quand d'accord. J'aime bien avoir du bruit de fond. Même si ça se crache sur la gueule. C'est... Oui, bah, c'est un concept, hein. vas-y, jouis-moi sur la tête. Mets-moi en plein dans les cheveux. Bon, allez. Erson qui dit... Erson quand même, faut reconnaître qu'Erson qui dit il a pas fait ça pour le sel, c'était pas pour faire chier, désolé. Bon, voilà. Oui, aussi avant, je préférais jeter. Donc voilà, franchement, Erson, respect quand même. Erson, respect. Comme a dit un jour mon. Désolé pour les insultes, je m'excuse aussi. T'es franchement, on dirait un film américain. C'est bien, les gars, franchement. Et tu vois, c'est quand je vois ça, je me dis putain, je suis fier de ce qui se passe sur ce stream. Je suis fier de ce qui se passe sur cette chaîne, en vrai. Je vous jure. C'est bien, les gens qui sont. Putain, vous avez un cerveau, bordel. C'est bien. Parce que tu vas bon, c'est beau ce que les streams américains, les mecs, c'est des teubés, ça va nulle part. C'est, de toute façon, toi, t'es un connard, et puis de toute façon, je vais tuer ta famille, et puis je vais faire la guerre mondiale. J'espère que ce sera adapté en film. Ce sera Woody Allen, hein, je t'annonce. Ou alors que Rob a essayé de faire un
le petit coup, le petit, comment dire, le petit ledge guard avec le down tilt, le bordel là, qui est très efficace, hein, parce que je crois que ça passe à travers d'une certaine manière sur certains stages. Je suis pas trop, moi, parce que moi il m'énerve vraiment en fait. Ça s'excuse, je suis pas con, je m'excuse aussi. Ah, mais moi j'aime bien, je suis un peu pareil, moi. Des fois je peux partir un peu vite, puis au final, tu te rends compte avec un peu de recul que ouais, en fait ça sert à rien, c'est de la merde. Ouais, ça sert à rien. Tu peux partir un peu vite, mais il y a des logiciels pour ça, je veux dire, tu le fais en 1v1, tu le fais pas au milieu de tous, quoi. Mais on va. Moi ce que je fais en général, je pars le plus vite quand je pars, le plus rapide, hein. Tu peux pas faire plus rapide, tu prends un connard et tu lui mets une plante pierna. Alors ça je devrais pas apprendre le jeu, moi j'ai jamais joué sérieusement au jeu, donc forcément je connais pas grand chose. Franchement, moi en fin de tournoi je suis chaud pour qu'il se passe quelque chose. Ça propose... Ah mais... Erson... Regardez le match s'il vous plaît. Oui, biche bois, moi je suis assez d'accord. Moi. Ouais, je vais arrêter de... Parce que moi j'interagis avec le chat, tu vois, j'essaie d'interagir avec le chat, mais du coup c'est compliqué. Donc du coup on en est où? Bon on a toujours 1-0, bon du coup on a un BO5, donc du coup ça laisse un peu plus de marge pour tout le monde. Ce qui est bien c'est que du coup Neonox n'est pas en danger immédiat. Mais bon, perdre cette game là ça le mettrait un peu mal. Parce que maintenant les choses un peu plus sérieuses commencent. 4h moins le quart, on est large, hein, on est bien. Sachant qu'on a fini une fois à presque... On a fini à 19h une fois, on avait fait... C'est la semaine dernière, je crois qu'on a fait 14h... Non, 4... on avait passé les 18h. C'est abusé. Pleure pas Mizu s'il te plaît. Non je ne pleure pas moi. Moi je pleure pas, je m'écoute ça. Rien à battre. Donc bah du coup voilà. MD qui a tué donc Neonox. Hein, et donc MD qui prend un petit avantage sur le deuxième point. Sur la deuxième manche. Alors que Neonox va falloir qu'il tue hein, assez vite hein, parce que sinon ça risque de se compliquer un petit peu. Et s'il perd cette deuxième manche, ça va être un petit peu plus compliqué pour gagner cette final winner. Bon après, perdre la final winner, ça le refait tomber en loser. D'accord, il y a une autre chance. Mais ça serait bien de se faciliter un petit peu la vie et pas avoir à passer un tour supplémentaire alors que finalement, le up smash de Mister tue. Et lui donne le deuxième point. C'est donc, ça fait donc 2-0. 2-0, moins le quart lors du Ricard, ouais. Moi j'aurais bien dit moins le quart l'heure du pétard, mais je t'avoue qu'en ce moment c'est compliqué. Hein. Ouais, si. Petite info, sur le stream il écrit winner quarter final. Ah oui, non, mais c'est parce que ça, c'est parce que C'est parce que je suis un con. J'oublie tout le temps d'update ce truc, mais je crois que je vais supprimer. Mais si je supprime, les gens vont dire ah, pourquoi il n'y a pas le tour qui est affiché. Voilà. Ça marche aussi, ah ouais, l'heure du pétard, ouais. Ouais. Là, j'avoue, putain. Monsieur Twitch, n'écoutez pas, mais. Café BDO, là, en vrai. On est bien. L'heure du ruinard. Du ruinard. Oh la vache. Attendez là, toi. Le ruinard. Excuse-moi, moi les ruinards, j'ai pas les moyens, justement. Je suis plutôt un ruinard. Bah, une fois que la ligue est finie, moi je donne les cartes cadeaux, je mets la clé sous la porte, y'a plus personne. Non, je déconne. Et du coup, 2-0 hein, pour Mister hein, qui s'est reparti. C'est reparti avec du coup Fox qui a un tout. Fox. Mais oui. Wolf qui a un tout petit avantage, mais qui renverse assez vite, c'est un peu tôt pour parler. Mais j'imagine que c'est la personne qui prendra le premier stock hein, qui un petit peu donnera la couleur de ce troisième round. Et là, la toupie la base, oh là là, et le up B si je ne m'abuse, le side B, excuse-moi. J'ai voulu un peu jouer Rob à un moment donné, mais c'est technique. Ouais, je sais, puis Ganon aussi. Hein. C'est technique, faut bourrer très fort. Intelligemment. C'est technique, non. Ah oui merde, oui, allez, c'est pour ça que je joue mal. C'est l'intelligence qui pêche. Alors que... excuse-moi, on devrait peut-être pas parler pendant que tu joues. Oh non, vas-y. J'aime bien. Et du coup, bah écoute...
Donc ça se passe comment sinon? Oh la vie, elle va bien, tout tourne. Ah tout tourne. Voilà, Imhotep, tout bien. Et ça fait combien de temps que toi tu joues ton petit robe des familles? Depuis le début du jeu. D'accord. Bon. Ouais. Donc. Ouh Sniperman. Ouh, compliqué. Oh, ça revient au poil de cul. Bon, là, un peu plus confortable, la remontée. Et du coup, il y a une grosse séance de. Une grosse séance, une grosse. Gros enchaînement de mystères. Le backdrop, pardon. Ouais, backstroke. Et là, violent. Ah, le backstroke, assez pété, hein. Assez pété, hein. Et le Nox, hein, qui va devoir un petit peu. Qui va devoir se battre de ouf. Pour espérer arriver en winner final. Ah, d'accord. Ah, celle-là, elle est. Ah, celle-là, elle est fat. Celle-là, elle est fat. Du coup, ça nous donne. Eh, mais quel game en vrai! Quelle violence absolue! Vous me faites rêver, les gars. Vous me faites rêver de ouf. Donc. Un très beau tournoi, une nouvelle fois. Ouais. Et voilà. Et donc, la grande finale. Nous avons notre premier finaliste qui est Mister MDPN16@.com. Et donc, nous... ok. Et donc, nous passons à la deuxième demi-finale qui est donc Acid Falcon contre Ice Shield. Alors que, ouais, si Mister commente, Xeno va falloir quitter l'arène parce que sinon ça va être le bordel. Ouais, c'est un problème. Je te remercie, après... je te fais des bisous, tout ça. Ouais, si vous voulez, je peux dire mon nom, mais genre tout mon nom complet, tout ce que veut dire. Genre. Franchement. Le tournoi finit à 18h, donc ça va être compliqué. Franchement, je t'aime bien, mais ouais, non. En vrai, vas-y. Vas-y. Moonlight Dweller, Mr. Pigeon Number 16 en anglais. Parce que je vais pas dire 16 en anglais. Là, c'est... Bah écoute, c'est parfait. Je te souhaite... J'appelle une ambulance ou pas? L'idée... Ice Shield, on met jamais l'idée de la reine. Jamais l'idée de la reine dans le truc. Mais c'est pareil. Pas vrai. Ice Shield, c'est dans putain, c'est dans le Discord, non. Bordel. L'idée de l'arène, c'est 90P58. Le mot de passe, c'est 45. Je peux plus rien pour toi, ma bonne dame. Aimez-vous, vous me rendez fou. 90P. Comment ça, enlève le 0? Mais non. Acide qui est là. Gracias, Mister. Après, je sais pas, peut-être que t'es feignant de l'œil, je sais pas, je juge personne. Ah, vous me rendez fou, les gens. Vous me rendez fou. Putain, depuis que j'ai ma chaise gaming, là, je suis tellement bien, mon pote. Waouh. Avant, j'étais assis sur une vieille chaise en bois, genre cuisine de grand-mère, tu sais. Ah, moi, je suis sur une chaise en bois, et pour tenir mes pieds, j'ai une autre chaise en bois. Allez, viens. Ah, bah, moi, j'ai chaise gamer, et sous mes pieds, j'ai un pouf, mon pote, je suis bien. Devant la multiprise, ça peut s'éteindre à tout moment. Oh non! Il est pas content! Un duel classique! Ah, il est même pas plan, c'est le temps. Ah bon? Tu connais bien le loup stick? Tu connais IRL ou pas? Qui? Tu connais IRL ou pas? Non, je connais pas IRL. Pas IRL. Ah. Il est pas de kill. Et du coup, la semaine dernière, il y a un truc rigolo. Enlève le 0, enlève tout. Ah, désolé. En fait, la semaine dernière, on a une personne qui était RSRS qui a voulu s'inscrire au tournoi. Qui a follow la chaîne, qui a s'inscrit au tournoi. Qui est venue dans le vocal un petit peu. Qui a dit ah merde, en fait, faut que j'y aille, j'arrive. C'est une fille d'ailleurs, je crois. Et du coup, elle m'a dit ah, forfait-moi pour le tournoi et tout. Et du coup, j'ai forfait. Du coup, pas grave. J'ai dit bah écoute, à la semaine prochaine, si tu veux, y a pas de soucis. J'ai pas trop fait le glauque, je sais pas quoi, tu vois. Elle a dit ok, pas de soucis, on va la semaine prochaine. Et en fait, elle a quitté le Discord, elle a une follow, tout. Elle est partie disparue complètement. Tu fais d'accord. Ah bah yes. No soucis. J'ai envie d'aller sur Twitch et de faire le gros gogol. C'est genre, pourquoi t'es parti, je te retrouverai. Tu pour faire chier. Non, c'est pas vrai, monsieur Twitch, j'ai pas dit ça. Non, c'est pas mon genre, moi. Moi, je fais ça, je leur dis pas aux gens. C'est vrai. C'est plus simple de les suivre dans la rue que de les suivre sur Discord. Bah oui. Je viens à Colmar. Donc du coup, c'est Maître Yodin, pour ceux qui n'ont pas la ref, on sait jamais. Je sais pas.
Contre Lorenzo Beguer, t'as jamais vu? Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Non, ah okay. Si, oui, ok. Si, voilà. Et en fait, il a dit, j'ai eu un Colmar. Parce qu'en fait, le mec, il est de Colmar et tout. Pardon. Bref. Donc du coup, bah, Acid Falcon qui perd sa promo en premier stock hein, contre un Achille qui est maintenant à quand même 118%. Bon, ça devrait tuer bientôt. Ça peut partir n'importe quel moment, sachant que Mario il fait 3,5 kg. Bon. Si on part du match-up, je pense Mario a l'avantage parce qu'il peut envoyer quasiment tous les profils de plantes qui sont un gros point fort du perso. Est-ce qu'il peut envoyer la boulette? Ouais, et le nuage de feu aussi. Et le nuage de fumée aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va la renvoyer normalement dans le même sens qu'elle a été envoyée, donc il y a très peu de chances que ça le touche. Bim. Bah, à moins qu'il saute. S'il saute, ça va le toucher. C'est vrai. Et le nuage de toxique renvoyé, ça fait très mal. Très très mal. Ouais. Ah, ça fait. Ah oui, parce que ça fait encore plus mal que. Ouais. Parce que. C'est 50% de dommage en plus. Combien? C'est 50% de dommage en plus. Ah, donc ça peut faire 75% de dommage. Ouais. Parce que c'est 50% la max, c'est ça hein, pour un... Putain, mais c'est abus. Ce nuage, il est juste affolant. C'est affolant. Si tu utilises en ledge guard. Après, normalement, tu prends pas les 50% quand t'es un bon joueur. T'en prends 20, maxi, ça reste un truc correct. On va dire. Ah non, moi je prends les 50. Moi j'en prends 60, moi. Je veux prendre. T'en prends 10 de plus pour le good luck. Ouais, c'est ça. 60 quand j'arrive à bien esquiver, sinon on est mal. Hein. Même avec un masque à gaz, moi je prends la max. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec ce nuage de poison, c'est qu'il est très fort parce que effectivement, si tu réussis à casser la garde, tu peux placer le nuage de poison sans que ça... Ah oui, c'est vrai. Oh là là, mais c'est tellement ouf. Et le mec il se réveille pas. Ouais. Ça compte pas comme un coup. Le mec non. Il se réveille pas. Tu sais, il est derrière, tu peux charger ton smash tranquillou bilou. Ouah, tranquillou bilou. Oh, alors qu'Acid Falcon finalement renverse la tendance, j'ai envie de dire. Il renverse ça. Ah, il utilise quasiment pas sa cape. J'ai pas vu utiliser une seule fois la partie. Ce qui est dommage, vu qu'il utilise beaucoup les boules acides. Alors, pour être franc, la première fois que j'ai joué contre Ryze, Achille est. Alors, j'imagine que ça c'était un petit. Pour te montrer que si, il t'entend. Première fois, j'ai pris beaucoup de coups de cape dans la gueule, ça m'a beaucoup mis dans le mal. Et puis, j'ai remarqué qu'avec le temps, en fait, j'ai l'impression qu'il utilisait ou peut-être de moins en moins, ou il utilisait peut-être moins souvent que ce que je croyais. Mais c'est vrai que j'ai déjà remarqué ça, hein. Alors peut-être que il s'adapte au strat de certains, enfin voir comment, je sais pas. Ouais, du coup ça met 3 stocks derrière. Assez fréquent chez les joueurs, c'est que quand un joueur a un peu le désavantage, en fait il va chercher à jouer plus agressif pour renverser la balance. Sauf que c'est pas forcément une bonne idée contre un porteur qui a des projectiles comme ça. Alors, quand je disais il a 3 stocks, en fait j'ai dit c'est un reverse 3 stocks en fait. Si oui, voilà, effectivement, comme je disais, hein, il est mort en premier, puis il a 3 stocks derrière. Ils sont envoyés, mais ils vont être envoyés au niveau du sol, ils vont pas toucher la flora la plupart du temps. Ah, mais en tout cas, si je prends pas la boule, du coup, si tu la cap. Alors, Achille qui dit pour info, ça marche pas la cape sur les boules. Ah hein. Achille qui dit la cape ne marche pas sur les boules. Alors si ça marche, ça t'évite de prendre des dommages effectivement, mais ça te... Ça fait la cape, il se l'est mangé. Hein. Il se l'est mangé, il s'est déjà tombé. Ouais. Oh, admettons. Ah, il peut ça, spammer les... Non. Mais c'est bizarre, ça fait bruit oui, de spammer. Oui, il peut faire animation, mais ça va pas lancer. Ah oui, ouais, d'accord. Ça a renvoyé la boulette. Ah bah voilà. D'accord. Donc un shield en fait qui main rondoudou. Ouais c'est ça en fait, c'est voilà. Secret main. C'est ça. En fait c'est la première fois qu'il joue avec Mario. Bah ça marche du coup Arson qui dit apparemment écoute. Hein. Écoute. Ça marche mais en fait le truc c'est que le temps que tu mettes ta cape, le gars il va te revenir dessus. Donc t'auras renvoyé le projectile certes mais tu vas quand même te prendre un autre. Ouais, mais genre... Je pense faut mieux que tu te prennes dash attack qu'une boule quoi. Parce qu'une boule ça peut tuer, une dash attack ça va galérer à tuer. Ouais mais la dash attack qui prendre un coup ça permet de combo à la fleur. C'est ça aussi le truc. Ouais. Mais la boule aussi a fait pour son, tu peux connecter avec un fer, à pas pour ça. Ouais. Ancien joueur de plante ici. Ah bon? Ouais. Donc en fait, je te hais un petit peu en fait. Non, arrêtez, c'est chiant. Non, mais c'est carrément.
c'est carrément chiant. Tu fais tout dans la même chose, c'est ça que t'as dit? Ouais, bah le truc c'est que genre j'ai arrêté, genre planter Ridley pour ça parce que je peux tout le temps la même chose. Genre t'as pas de mix-up possible. Ah faut. Bah c'est ce que je dis, faut que tu joues Ganon. Le seul truc que tu fais le plus souvent c'est de perdre. Après une fois que t'es habitué à ça, c'est bon. Hein? Deathmatch, des smash comme ça. Non mais oui, ouais. Bah les F-Smash en général, normalement Ganon c'est pas ce qui est recommandé, hein. Normalement c'est l'Up-Smash hein, qui sont plus recommandés. Parce que ça va chercher plus haut, c'est beaucoup plus rapide mais ça fait moins mal. C'est bon. C'était chiant, pigeon, joueur de robe. C'est vrai. Joueur de robe et Richter, hein, comme faut préciser. Ah tu joues Richter aussi? Oui. Je joue aussi un peu Richter. Ah, je sais pas, mais moi c'est un perso qui me tentait un peu bien en vrai, mais moi tout ce qui est... C'est bizarre, mais tout ce qui est projectile, j'ai du mal, dans ma tête ça marche pas en fait. Avec Ganon c'est compliqué les projectiles. Non mais en fait... Avec Ganon le projectile c'est l'ennemi en général. Ah oui, ouais, non mais ouais, ah non mais ça pas de problème. Non mais en fait c'est tout ce qui est... comment dire... Les persos qui font qui lancent des projectiles, j'essaye d'en jouer. Et tu vois par exemple les Simon, les Richter, moi je trouve que c'est dans les doigts c'est bien. Ça fait plaisir dans les doigts mais si tu aimes pas jouer pro, enfin j'ai pas ces réflexes de spammer les projo moi tu vois. Comment dire, moi je joue un RPG où t'as le choix des classes, je mets peut-être un peu un healer histoire d'eux, et après je mets que des bourrins derrière tu vois. Ouah. Alors que ça deux frames les familles, magnifique, magnifique. Et du coup, Shield qui cherche l'égalisation. Et qui du coup, finalement, se prend un petit peu moins une petite fessée qu'au tour d'avant parce qu'il avait pris un, il a pris le premier stock et il a pris trois stocks derrière. Et là. Ladder. Ouh. Une mauvaise DI, ça aurait pu jouer. Oh là oui. Le ladder combo. Pareil, moi je me dis que peut-être je joue Mario, mais Mario, c'est un petit peu. C'est un peu trop affecté par la gravité à mon goût en fait. Ah. C'est un peu. En fait, ça tombe un peu vite, un peu comme des Falcons, comme des. Non, c'est un peu moins quand même. Mais tu sais, des persos qui tombent vite, ça flotte genre pas Fox, assez. Etc. Genre Genre Fox. Ouais, ah, ouais. C'est casse-cou. Plus tu touches le sol, plus vite tu retrouves ta mobilité. Hein. C'est voulu en fait. Ouais, d'accord, bah, je veux Mario bien. Mario a une très bonne mobilité. Hein. Mario a une très bonne mobilité. Aérien, terrestre, il est vraiment équilibré dans tout. Hein. C'est vraiment le perso qui peut tout faire dans tous les sens. Non de stock, Mizu, quoi? Oui, la première game c'était un 2 stock. Ouais, ouais. J'ai pas compris. La première game c'était un 2 stock. Mais vous écoutez quand je vous parle? J'ai dit en fait, il a tué la première et après il lui a mis 3 stocks d'affilée. En fait, Mario a tué la plante une fois et après la plante a tué Mario 3 fois. Tac, tac, tac. Ah oui, ok. Donc c'est un. Voilà. En plus, j'ai bien pris. Oh, oui. Oh mais ça... Non mais ça y est, ça pinaille jusqu'au bout. Jean-Michel Potato. Qu'est-ce que c'est l'emote là? What the fuck? C'est étiqué. King Kong. Putain, j'ai cru que c'était une patate avec une moustache blonde, mec. De loin, c'est bizarre, hein. Mec, de loin, c'est trop bizarre, gros. C'est Monsieur Patate qui a grandi un peu. C'est ça, avec une stache mou de vieux comme ça, dégueulasse. D'accord. Oh là là, c'est glauque, qu'est-ce que ça fait ça? Oh non, mais ça y est, ça spam les. J'ai des emotes, moi, je suis. Ah bah, je vous avouerai que moi, si vous voulez des emotes, ça va être compliqué parce que même si vous abonnez, pour l'instant, il n'y a pas encore d'emotes. Parce que j'ai pas encore assez d'abonnés. C'est une chaîne de merde. On voit les gens qui passent leur vie sur Twitch quand même. Eh, j'en ai acheté aucun, j'ai reçu que des subgifts. De quoi? J'ai reçu que des subgifts, j'en ai jamais acheté de sub. Voilà. Ah bon? Ouais, jamais. Ouais, bon, après voilà. Et là, Sid qui joue son. Putain, le Falcon ouais, on l'a pas vu la semaine dernière. J'y crois pas qu'Aishil est tombé dans ce piège. Alors, du coup, j'imagine que Acid finalement est peut-être satisfait par mieux la merde, mais la connexion qui peut être un peu mieux pour qu'il sorte son Falcon, parce que je sais que c'est un critère assez important. Ce qui est complètement vrai, même si se comprend avec Falcon, t'es obligé. Hein. Faut que c'est tellement abusé à la fin. Dans cette liste, c'est beau, ça. Si je vois pas de kill au Falcon Punch, je serais déçu.
Alors, je t'avoue que c'est peut-être pas le style de la maison, mais par contre, voilà, j'allais dire des kills au genou, tu risques d'en voir 2-3. Là, ça va peut-être être le tarif. Ces combos sont bien au point, t'inquiète pas, t'en verras des. Tu t'inquiète pas, c'est. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Non, c'est fat, hein. Alors que Mario a réussi à s'en sortir, c'est vrai. En fait, si c'est comme Ganon, en fait, c'est bizarre, mais des fois t'accroches la ledge et des fois tu chopes la. Tu remontes au-dessus pour choper le mec en fait. Je sais pas à quoi ça se tient, je pense que quand ça l'hitbox connecte un tout petit peu, en fait finalement, au lieu de choper la ledge, il continue et ça trigger la hitbox du gars au-dessus en fait. Ça m'étonnerait pas. Si je vois pas Major Falcon doit jouer pour la hype. Alors. Il peut aussi jouer peut-être aussi pour gagner un peu. Mais ouais. Bah, de toute façon Falcon c'est. Pour les beaux jeux, hein. Ouais, oh là là là, putain c'était tellement au poil de cul ça. On a vu la petite frame Ouh, ça se peut pas tuer, ça. Est-ce que là il mettrait pas un petit coup de. Est-ce un que... petit coup de beau jeu, non. Ah j'ai un petit spike et tu mets un autre spike. Ça. Speak. Speak. Oui, au lieu de dire spike, je dis speak. Do you speak? Oui. If you speak, oui. C'est toi qui as une souris qui fait beaucoup de bruit. Tu cliques pas avec des trucs? Non. C'est bizarre. Mister PN, comment t'as fait pour débloquer toutes ces émoticônes? Bah, j'ai été sub chez les gens. Sur Twitch. Oui, en fait, faut être sub chez les autres. Les émotes. Falcon Punch, c'est mieux. Là, chez Mimzou, y'a pas possibilité de débloquer des avatars cool et en plus, c'est juste pour une journée. Alors moi je peux pas parce que en fait déjà j'ai pas mis de trucs avec les points de stream. Le seul truc que j'ai normalement c'est une emote de sub. Normalement il y a mon emote qui est arrivée mais elle est pas encore affichée. Non, ils disent que ça met 2 heures, ça a été approuvé hier. Finalement c'est 24 heures plus tard, c'est pas fait donc je sais pas. Voilà. Oh les gars, vous allez où? Allô. Eh, c'est du BO5. Ah bon? Attends, le bracket. Mais bordel. Mais ils sont partis. Mais bordel, on est en finale. Ah non. Attends, non, je dis de la merde, non. Mais si, on est en finale winner. On est en finale winner, les gars. Non, mais on est pas en finale winner. Qu'est-ce que tu racontes? On est en loser. Oh, je suis en top 5 loser. T'es bourré. Oh, what the fuck. Eh, mais tous mes chapeaux. Vous pouvez l'excuser, il a pas l'habitude de voir Asyl Falcon dans le loser bracket. Non, mais j'ai surtout... J'ai surtout... Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. T'es défoncé, Jean-Mich. T'es défoncé? Non. T'es défoncé? Non, c'est Jean-Mich. Qui c'est qui a... C'est quoi le score, là, dégueu? Qui c'est qui a mis 3-0 pour... Attends. Non, c'est 2-1, là. Oh, putain, mais what? What? Ah, mais oui, mais j'étais... Oh, what? On est dans le loser, en fait. Mais je regardais le winner. Mais oui, mais... Je suis un de ses fils. Moi, j'ai paniqué de ouf. Donc, il y a combien? 2-1, oui. Oh le mec qui fait des tournois, il croit qu'il fait des tournois de Pac-Man depuis tout à l'heure. Bichebois contre Erson. D'accord, on est mal, hein. Bon, je me suis levé à 6h du matin, je vous jure, je suis pas bien. Mais pour de vrai, en plus. Contre Erson. Alors, attends, Erson, c'est quoi son vrai pseudo? Lui, Saiyan... Erson The Way. Saiyan, c'est pas trop... Non, mais le pseudo sur Shalom. Saiyajin, je sais pas quoi. Ouais, Saiyajin, c'est voilà. Compliqué de le lire. T'es défoncé, Baptiste. T'es défoncé? Non, non, c'est argent. T'es défoncé? Non. T'es défoncé? Oui. Oui, et pourquoi? Et pourquoi t'es défoncé? Parce que j'ai bu. Et pourquoi que t'as bu? Parce qu'on va me proposer, chef. Bah, tu sais quoi? Tu vas faire de l'encenson un peu. Voilà. Meilleure vidéo. Ah oui. Le mec qui essayait d'asseoir son autorité devant les caméras, mais ça ne marchait pas. Tu vas dans des grisements, on va faire de l'encenson. Et du coup, ah là là, c'était... Ça a l'air complètement fair comme match-up. Alors du coup, tu mises sur qui? Moi, je mise sur Karou là, 800%. En vrai, hein. Parce que, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que bah, Sonic contre Karol, il y a pas grand chose. Hein. T'en dis quoi? Ah, t'en dis rien? T'es là? Ah, il est parti! Bah. Il a peut-être eu un petit bug.
Ah mec, mais t'es parti? Ah, ça marche ça. Oui, j'ai eu un bug, enfin. D'accord. On m'a appelé en privé et refusé. Ah, par contre, ah bah tu pouvais prendre un mec. Non, non, mais c'est genre, c'est un groupe de potes, on est 10, mais ça appelle tout le temps et ça me casse les couilles. Ah, mais d'accord. En fait, je demandais ce que tu pensais du match-up. En fait. Bah là, je pense c'est. Je saurais pas dire, mais je pense que c'est quand même plus un pour Sonic parce qu'il a un très bon combo game et il peut facilement chercher offstage le Carrouge. Ah ah. Mais Carrouge, ça tue extrêmement vite, c'est un jeu de projectile donc ça peut totalement annuler le Sonic. Voilà. Après, je donnerais un petit avantage pour Sonic parce qu'en fait, tous les personnages sont bons, t'as forcément en fait sur Carrouge. Ouais, non, ça. Ah, il a dit tu me fais chier, tiens. Tiens, moi je suis un forain, moi je vais te montrer comment on fait. Patate de gitan. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. T'entends okay. Très bien. Tu as une voix très suave et j'aime beaucoup. Et encore, c'est pas la voix que j'ai sur PC. Ah non, sur PC, t'as une voix un peu plus rousse encore. On ressent le manque d'âme dans ma voix. Ouais, c'est ça. Ça serait que de moi si je peux. Oui, bien sûr, on t'entend. Oui, mais bien sûr. On m'a rappelé. Ah. Arrêtez d'appeler les gens. Donne-moi le numéro de téléphone. Je vais me menacer. Ouais, tu laisses la commu tranquille. Je te défonce. Une soirée avec Carrouge ou Sonic. Achille, qui vont une soirée avec Carrouge ou avec Sonic. Ah, c'est compliqué, hein. C'est un peu comme dans. T'as vu Pulp Fiction? À un moment, dans la cave. T'as le gros black, et puis t'as le petit flic, habillé en bleu. Et le petit flic, habillé en bleu, il casse le fion au gros black, en fait. Et c'est là, et Bruce Willis va défoncer la gueule à tout le monde. Et t'as jamais vu Pulp Fiction? Mais fonce, mec, t'as raté ta vie. Oh, non, moi le cinéma, j'ai rien vu du cinéma. J'ai vu 2 Star Wars, 2 Harry Potter, et puis c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Ma copine a jamais vu Star Wars, elle s'endort devant Harry Potter. Elle m'a dit, j'ai vu Seigneur des Anneaux. J'ai dit mais je te quitte. Non, elle dit mais on peut le regarder. Trop tard. Et je l'ai quitté. En fait maintenant on fait de la coloc. Ah. Me paye un loyer, je m'en bats les couilles. Ça s'amuse là du côté de Harrison. Mais du coup Beach Boys là, à chaque fois il nous refait le coup de il remonte en. Ah c'est parce que sinon il est obligé de revenir sur le terrain, il a pas envie de faire ça, je comprends. Je comprends. Ah du coup Harrison qui en fait c'est comme ça qu'il grind ses pourcents comme il peut, mais c'est un peu compliqué hein, voilà. Ah, c'est bleu. Oh là, c'est reparti, tanana. Ah non, c'est bon, il s'est chié dessus hein. Bon. Sachant que là ça peut partir à n'importe quel moment hein. Ouh, ça tape dans la super armure. Full armor. Adieu. Alors que là Sonic est à kill pourcent. C'est du kill. C'est du kill pourcent. Carrouge et... joue pas. Carrouge il s'en approche doucement hein, mais on... il y a encore un peu de rab. Bon ça va. Ah, le coup, il est encore 28% et après il aura peut-être un peu d'inquiétude à ça. C'est ça. Hop. Ah là ça. Bon, ah, allez salut. Allez bisous. Le pied bouche. Ça me fait rigoler ce bug en fait quand t'enterres quelqu'un. Il y a la partie émergée de la personne enterrée. Et après on voit le dessous qui est sous terre en fait. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Ah bah, mais attends ils s'appellent plus, ils font Darbaz Everyone, j'aime ma vie. Je sais pas d'où ça vient mais en tout cas ce principe il est chiant dans le sens que les persos petits, en fait quand c'est les pieds qui sortent du sol, tu peux pas les smash haut, tu t'es obligé de les smash haut ou smash bas. Bah smash bas il est pété le smash bas de Carrouge en vrai, il est overpuissant gros. Ah. Moi avec Rob, je peux pas faire de up smash parce qu'ils sont trop petits, certains persos. Ah bon? Genre Pichu et Pikachu, je peux pas les up smash après mon Madden throw. Ah ça me rappelle. Ah, c'est comme quand Ganon, je fais mon side B et que je vais faire un F-tilt. Ça passe pas sur Little Mac, ça passe pas sur Entraîneur Whizgag, ça en passe pas sur ouais. Pichu, sur Pikachu. Ça... Si Pikachu ça passe. Mais ça passe pas sur quelques persos chiants. Pas Lutena. Parce que trop petit. Bien sûr. Mais que même en faisant du 71 de pompe, non. Du 88. Du 88, les Vosges, la base. Qu'est-ce qu'il parle des Vosges? Non. Sonic, aimes-tu les femmes? Non. Là, c'est un PDO.
Ouh, hey, alors ça c'est bien joué ça, tiens. Personne qui finalement a décidé peut-être de lâcher les chiens et de prendre les choses en main un petit peu plus. Pourquoi ce bi? Hein? Pourquoi ce bi là? Alsacie qui panique qui fait de bi. Allez. Là c'est son frère qui joue, là c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bah, en gros, il a fait deux bits dans le vide et il a fait un downer dans le vide et il s'est suicidé. Bon d'accord, tout à l'heure j'ai vu, mais j'ai pas compris le pourquoi du comment quoi où. Pourquoi il crache les gens vers le haut en fait depuis tout à l'heure? Oh mais qu'est-ce qui lui arrive là? Ah c'est le Falcon qui dit Laco. Laco? Bah je sais pas. Bah en vrai, enfin y a pas de lag au niveau de. Enfin. Tu sais, y a pas de chargement dégueulasse. Y a pas de freeze, mais après. Après, s'il y a un peu d'input lag, oui, ça peut peut-être buffer des trucs que t'as pas envie que ça buffer, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je sais qu'avec Ganon, ça peut très vite arriver. Le Downby qui buffer, du coup, il en fait deux, il fait à droite et en bas. Et salut. Du coup, c'est la mort. Et Acide qui dit c'est forcément l'un ou l'autre. Ouais, parce que tu sais, tu fais là, tu fais Downby, putain, fais-le. Et le temps que tu le fasses, en fait, il en a enregistré deux. Et bisous. Il en a fait 8 d'affilée en fait, je sais pas. Hein? Il en a fait 8 d'affilée en fait. Mais c'est ça. Puis là, pour t'en sortir, bon chance. Après, je suis con parce que les down B, tu peux les cancel avec un side B avec Ganon. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très très utile, les mecs, quand ils sont un petit peu en dehors du stage, je suis de côté, ils redescendent avec un down B et le cancel avec un side B. Ou même avec un saut normal. Hein. Ah, d'accord. Eh ouais, mec. Spider ZR, c'est qui? Ça a failli tuer à 20% quand même, ce Smash. Ah oui, ouais. Bah oui. Patate de forain, gitan, vendeur de glace. Dans les grands morts. Hein. C'était dit avec une conviction. Je sens ton sang gitan rejaillir. Et c'est Erson donc qui égalise hein, partout avec son Sonic de l'enfer. J'aime pas Sonic parce que dès qu'il gagne, il taunt. C'est trop facile. Coucou. Du coup, ça fait donc un partout. Est-ce que ça va counter-pick? En fait, c'est les gens... Alors, on joue tous un perso, en fait. Y'a personne qui counter-pick des autres trucs, c'est bizarre, hein. Moi, c'est fou. Je suis sorti Richter, moi, au début. Hein. Oui, c'est vrai, respect. Tu vois, alors, pour, en fait, pour en ce qui me concerne... 36-15 ma vie, mais y a des millions de personnes, surtout des roues chauves qui m'ont dit « Ouais, mais tu prends jamais quelqu'un d'autre, c'est chiant, tu changes jamais de perso. » Après, voilà, il se reconnaîtra, j'imagine, mais... Ouais, tu joues qu'un perso, c'est vrai que je ne joue qu'un perso. Moi, ça va, j'en joue à peu près 5. Ah oui, violent. Mais bon. Bah, du coup, t'es large, quoi, pour counter-pick et machin. Après, comme disait... Comme disait Falcon, une fois que t'as un peu la méta... un petit peu des mécaniques du game, de la game dans les doigts, tu vois, c'est après tous les persos un peu se prendre en main un peu plus facilement. Genre, ouais, tu les prends en main plus facilement, mais tu vas être bon au jeu, tu vas pas forcément être bon avec le perso en soi. Ah non, bien sûr que non, bah non, évidemment. Ouais. C'est comme, tu peux être bon cuistot, mais c'est pas pour ça que tu vas savoir faire toutes les sauces du monde et toutes les trucs du monde. Et que tu es pâtissier et tout, non. Non mais carrément. Bah, c'est un peu le problème de ma vie. Je suis un peu bon dans plein de trucs, mais je suis très très bon nulle part. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et c'est chiant. Du coup, t'es reconnu pour. À moins que tu puisses tout mélanger, t'es reconnu pour rien, mec. Bon, en tout cas, bah, un match assez serré. Hein. Sonic a Kid Move, car roule pas encore son Kid Move. Ah, en même temps, là, c'est la manche. Le perdant sort. Hein. C'est fini. Hein. Celui qui perd cette manche-là, c'est terminé. On va falloir se sortir les doigts du fion et faire les choses. Voilà. Et le Smash qui tue à seulement 30%.
s'en sert les gens. Donc avantage Sonic, gros, un peu plus gros avantage Sonic. Oui. Enfin, un peu plus gros en fait là, il y a à peu près 0% à 0%. À peu près. Ouais. On a Sonic qui joue extrêmement la manette, qui joue extrêmement bien avec la couronne de Garou, hein, c'est ce qu'il faut faire en soi. Il lui a gratté quasiment 100% juste avec la couronne. Ah oui. Et le putain qui a tué. Ah non, pas encore. Je me posais la question, j'ai rien. Ah là, là par contre là oui. Là par contre oui. On est d'accord. Je ah, du coup. Il y a quand même une mauvaise DI parce que c'était sur le Summer Spot du paquet. Avec une bonne DI, je pense qu'on aurait pu survivre. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que tu dis des trucs et je comprends pas. C'est incroyable. J'adore. Non, je te jure, j'adore. C'est un peu comme. C'est la zone faible. Si tu j'ai cette impression que c'est comme un portugais en fait. Je parle pas portugais, mais il y a des mots qui ressortent et je comprends des trucs. Mais globalement, c'est. Ou comme quand Captain Fuzzy nous parle, tu vois. C'est québécois, donc tu comprends la plupart, mais il se passe des choses et il monte à des phases où. Je sais pas. Bah, en gros, si c'est ça, le Sour Spot, c'est là où ça touche moins fort. Enfin, c'est la zone où que ça ah, touche moins le fort. Sour Spot. Ouais, t'as d'accord. Sour Spot et Sweet Spot. T'as aussi Tipper, mais ça, c'est un autre truc. Oh, le point acide. C'est rigolo. Le point acidulé. Et le point sucré. Quand tu touches, surtout Samus sans armure, quand tu la touches dans le point sucré, alors là mon pote, elle vole. Surtout quand elle se prend le gros genou de Falcon dans le point sucré, alors là. Alors qu'on parlait. C'est ouf. On parlait des points sucrés, puis finalement il s'est passé des choses. Alors que ça fait 2-1 pour Bichebois. Ah oui, mais là c'est le point. Non, on arrête avec le sel. Plus jamais. Et Bichebois qui prend cette finale 2-1. C'était tellement serré jusqu'au bout. Oh, Bichebois, GG. Non, 2-1 on a dit. 2-1, GG Bichebois. Oh. Alors que nous rentrons. Bah, ce qu'on va faire. Alors. Oh, la loser semi. Messieurs, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà jouer la loser semi. Hein. C'est obligé, ça va être c'est obligé, on fait la loser semi, la winner finale et la loser final. Comme ça permet un petit peu. Quoi hein loser semi, loser final, grand final. Bah, c'était un petit peu pour permettre à tout le monde de respirer un petit peu entre les deux, tu vois. C'était un petit peu pour. Enfin, c'est pour la garder un peu ferme, mais techniquement parlant, oui, on devrait faire comme tu dis, c'est sûr. Bah, déjà, on fait la loser semi. Donc, Acid Falcon contre Bichebois. Bichebois qui restait là, qui a dit non, de toute façon, je n'ai nulle part, je connais les bails. Et donc, Acid Falcon qui peut faire son entrée. Donc là, on est en loser semi-finals. Bichebois qui est toujours là contre Acid Falcon. Parce que le Falcon et l'acide, c'est la vie. Voilà. Là, il y a eu un bruit, il y a eu un clic. C'est quoi le clic, là? Qui c'est qui clique de ouf? Personne. C'est vrai. Je sais pas, mais j'entends rien, moi. Moi je trouve que c'était un super tournoi, j'ai trouvé que... Qui a clippé? Après j'espère que tout le monde reviendra la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà, ça clippe des trucs où je bafouille. Je suis pas fier de vous. Franchement, j'ai honte. Et donc Cassidy Falcon... Mec, j'arrive sur... Vous avez un message sur machin et bam. Voilà. Bon. Je sais pas, j'ai pas vu ce qu'il se disait, mais bref. Donc c'est parti. On est sur la loser semi final. en BO3 toujours hein, évidemment. BO3. Il y a un moment où je vais réussir à suivre, à me réveiller à suivre. Voilà.
Et donc retour de Falcon contre contre notre bon vieux Karoul des familles. Alors que ça branle les sticks comme personne. À base. Pourquoi t'es parti? Allô? Oui, allô. T'as eu un appel? Comment ça se passe? Non, là je vous entendais juste plus, je sais pas pourquoi. Mais en fait t'as été bougé dans le général, je sais pas pourquoi. Il se pose des trucs. Parce que je vous entendais plus et du coup j'ai quitté le vocal pour ensuite revenir. Ah pardon, mais en fait tu peux pas revenir, ce salon est... En fait c'est que les modos qui peuvent te déplacer dans le salon là, c'est parce que c'est justement comme c'est le salon commentaire tournoi. C'est pour que ça soit un peu propre, qu'il y ait au moins un truc de propre, tu vois. Ok, je vois ça. Désolé, hein, rien de perso. Oh là là, le petit genou. The Knee of Justice. Du coup, je t'avais dit pendant qu'on m'entendait pas que c'était Captain qui avait le match-up, parce que il a un très bon combo game et qu'un coup de perfect, on va dire. Hey. Ah, du coup, t'as dit que tu peux me move, j'ai pas vu. Bah, un spike. Oui. Et c'est fini. Ah, ça a pas tech. Non, il en manque. Wouah, il en manque. Si, bah si non. On fait un upbeat reverse, on aurait pu l'attraper, je pense. Alors que. Alors que Biche boit avec son pseudo qui représente l'Alsace qui boit. Qui représente les biches. Ouais. Moi, c'est un peu léger quand même. Ça fait quand même mal, mais c'est un peu léger. Oh, ah bah ça. C'était beau ça. Il m'a fait la même tout à l'heure. À moins que c'était. C'est pas lui qui peut-être qui a joué. Si, c'est lui, il m'a fait la même tout à l'heure. Je te boule ma vie. Ah. Et ça a atteint la perfect kill, je crois. Ouf, oulala, c'est compliqué. Ouh, ça a failli la reco là. Ça passe. Tu m'excuseras, j'ai du mal à parler parce que je suis hypnotisé par la mobilité du Falcon. Pardon. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah bah Bijoua en vrai, GG parce que t'as quand même bien accroché, c'était compliqué. Hein. De toute façon contre Falcon c'est toujours compliqué, hein. Contre Acid c'est toujours compliqué. Ça c'est bon. Sûr. Ça va bien se passer, ne t'en fais pas. Et on y retourne. Ah, c'est complètement dehors du cadre, l'intitulé du truc. Mais non, ça passe. Oh, ça m'énerve. Ce stream est nul. Pourquoi ça met pas au milieu tout de suite? Bah. Bref. Du coup, on est toujours sur la même map, Battlefield. Oui. Pour l'instant, niveau pourcentage, c'est Zassi qui a l'avantage, mais Acid a le contrôle du terrain, donc ça risque d'être compliqué. Nerner, à toi de dégager pas trop. La couronne qui a pas passé. Ah bah tiens. Oh, le counter qui a été bien mis. Ah, qui était très bien, parce que là on sait tout ce qui allait se passer. Hein. Là on sait tous c'était quoi le tarif là. Dès qu'il finit son combo là, c'était. C'est fini. Ah oh bah là oui, c'était The Knee of mon cul. Le genou de la justice. Et du coup, est à kill pourcent face à un captain du coup. À 3% t'as kill pourcent pour un captain. Quoi, c'est 100% le kill pourcent de Captain Falcon? Ouh, ça a trade. Bah là, les deux sont à kill pourcent du coup. Que Captain fait extrêmement vite. Maxo, enfin pas que canon. Bac canon. Oula, ça va pas regarder. Je regarde ça. Regarde de bat qui tellement vu arriver celui-là. Tellement vu arriver, c'était tellement un peu obvious. Mais bon, comment tu veux ne pas te demander de tral, là. Oh là, ça pour. Ça fait. Ça a tué. Aïe. C'est quoi ce dumb smash là? Oh là là là. Mais pourquoi comment s'est passé quoi? Il a air dodge. Ah, et j'ai pas touché. Ah, mais du coup, c'était trop tard pour relancer son B? Ouais, c'est trop tard, il n'y a plus le temps. Ah. Et ça tue ça. Ouh, bon, bah du coup, un ça. Un petit spike, un petit vol et ça suffit. Ça tue à. Ouh voilà, on voulait tous voir Annie, mais.
Ah bah je pense que là ça aurait été... Ah, sachant que le combo était parti 4%. Donc ça aurait été fou qu'un carreau là à 4%. Et ça remonte hein. Ah non, j'ai Ouh oh c'était bon. Pas loin, mais... Ça a touché Sour Spot. Ah, ça lui a touché le point acide. Le point succulent. Ah bon bah alors. Ça a tenté une douille. Ça a tenté le beau jeu. Bah je pense qu'il a un petit peu tenté le jeu. Le point succulent. Parce qu'il est... il a un peu... Double point succulent. Il est un peu large, donc il tente, hein, ouais. J'imagine. Il est ouais, un peu large, trop. Mais là, assez qu'il veut oh, ça tech magnifiquement le backer derrière. Le ledge trump et tout backer, aïe aïe aïe. Ah, ce truc, faut que j'apprenne à le faire, ça. C'est une arme redoutable, ça. Alors que ça fait 2-0 pour Falcon, qui passe donc en loser final. Alors du coup, Acid, tu peux rester dans le ring, parce qu'on va enchaîner tout de suite avec la loser final. Into la winner final après ça. Voilà. Donc, bracket... Ah, ouais. Bah, du coup, c'est Neo face à... Du coup, c'est Neonox. Alors, attends, je vais réafficher le bracket. Du coup, nous avons Belle Game GG à vous. Bah, carrément, double GG. Et ouais, magnifique, hein. Franchement, Karou qui a vachement bien accroché Falcon. Et je pense que si on demande à Falcon le match-up, je pense qu'il se voyait peut-être un peu plus... confortable au niveau du match-up contre Karoul, sachant que Falcon, bon, contre Karoul, je pense que le match-up est bon, bah c'est plié quoi, avec la vitesse de mobilité et tout ça. Oh, card crusher, what the fuck, man, I gotta say hi. Oh my god! Ah c'est un... Non, mais c'est un pote, he's a friend, he's a... No fucking friend, I haven't seen since 2015. Oh là là! Avec Gaspard Duval, non d'un cul. What's up, man? Ooh. What? I knew who you were straight away, man. My God. My goodness. C'est un jeune anglais qui était client de là où je travaillais il y a quelques années encore. Ah, ok. Ouais. Bonjour. Y a que la finale qui est en BO5. Ouais, toutes les finales. Ouais. La finale, la finale winner, la finale loser et la finale. La grande finale. Donc là, finale loser, on est en BO5 et après la grande finale en BO5. Voilà, Gaspard chez Léon. Et du coup, nous avons Acid contre. Neonox. Mais oui, pourquoi je regarde? En plus, je regarde le Discord qui ne me donnera pas la réponse. Du coup, on va peut-être avoir une revanche de la part d'Acide. Un camp. Ah, effectivement. Ça sort un camp. Étonné. Est-ce qu'il sait le jouer? Parce que Ken, c'est très spécial à jouer. I'm ready! Ah oui, le peste du coup. Assez bien, Acid Knight. Moi, je suis déjà tombé contre son Ken, effectivement, c'est plutôt casse-couille. Ouais, ouais. Et je pense qu'il okay. a. Je pense que le fait qu'il ait choisi un Ken, c'est pas anodin. Hein. Il a dû. Je pense qu'il. Ça, c'est un wall. Écoute, alors le match-up, je ne le connais pas, mais c'est peut-être pas le meilleur match-up, mais. Le match-up, il est quand même plus 1 pour Wolf, je pense. Parce qu'il peut très facilement chauffer avec le blaster, etc. Alors en fait, oui. Je pense qu'il a pris Ken, hein, tout simplement pour éviter les crossovers que fait beaucoup Neonox, en fait. Et ça, c'est pas dit. Ça c'est pas Ken DI le Shoryuken. Ça c'est pas quoi DI? Ça c'est pas DI le Shoryuken. Ah. DI c'est genre tu changes ta direction pour pas mourir. Tu vois. Tu chantes sa direction pour pas mourir. Non t'inclines ton joystick c'est pour changer ta direction. Et du coup pour mourir plus tard. C'est la DI. Mais genre là il allait vers le haut donc fallait qu'il mette le joystick vers le bas, c'est ça? J'ai pas compris. En fait, si je crois que j'ai compris, mais j'ai pas compris ce qu'il aurait dû faire en fait. En fait, le Shuriken ça se DI, la DI in, donc c'est-à-dire vers le stage, alors qu'il faut la DI en dehors du stage pour pas mourir vite. Ah, okay. D'accord. Et vu que la DI vers le stage, ben il est mort. Genre. Voilà. Là, je crois que la DI, il a pas de DI, je crois. C'est d'une violence absolue ces trucs. Ah non, mais Ken ça tue à 10% Ken. Ah, non, pas moi. Moi, je me tue pas à 10% moi. Allez, à 15% pour toi.
Non, non, rien du tout, mec. 20%. Déjà, c'est moi qui le tue, déjà. Ton épée est plus grande que son corps. Moi, je suis très bon contre le Ken de HBZ. Et qui est très bon. Laisse bâtard. Vas-y, tu connais que tu parles de tes amis, toi. Vas-y, t'as pas de race, mec. Bah justement parce que c'est mes amis, je me dois d'être impartial et de pas leur mentir. Ah merde, donc on est pas amis en fait. Ah non, je te l'avais dit. Non. C'était débile. C'était débile. C'est n'importe quoi. Tu veux faire quoi en vrai? Tu veux faire quoi contre oui, ça game. Pas tu quand. Bon bah 0. Mais disons que c'est assez compliqué, hein. Comme je disais, en fait, Ken et Ryu ont la capacité de se retourner en fait automatiquement vers l'adversaire, et du coup c'est très fort pour les persos qui ont tendance à beaucoup cross la garde, notamment Fox, Falco, Wolf, tous ces persos comme ça. HB qui dit quel Ken? Bah HB prend des notes, hein. Ah bah oui. Mais j'avais compris parce qu'il garde son camp. Ah oui, il garde son camp, ouais. Même après le perso. Où est quand? Il est là quand. Présent. Toujours présent. Toujours la bonne, Alan. Toujours debout. Non, mais moi je connaissais pas autant de paroles de ce truc. Qu'est-ce qui lui arrive? C'était assez cool, bien. J'aimerais bien avoir un Neonox gagné, mais ça va être compliqué, je pense. Ah, je pense que là, bah, c'est un peu mal barre, mais on sait jamais. Ouais. On sait jamais. Oh là 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 là. 60%. À 80%. C'est quand même pas beaucoup de pourcents. Shoryu, c'est fort. Non, mais là, faut pas déconner non plus. Hein. Ah. Ah. Ça, c'était pas mal, ça. Ça même pas trade. Ça, c'était pas mal. Il me semble pas que je donne splash peut-être frame. De Ken. Ah. Je sais pas. Don't hit oui, mais je sais pas si le donne splash. Eh, mais ça enchaîne vachement. Ça enchaîne tellement vite les Shoryuken en fait. Ça peut enchaîner sur Shoryu en fait. Alors là en fait, il est enchaîné parce qu'il s'est pris un petit dommage, donc du coup ça reset sa remontée. Ah, tout s'explique. Oh là 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 là. Oh là là là. Putain, il le chope bien juste en haut comme il faut. Oh. En mode sniper quoi. Il est dans sa tête. C'est la version police. Hein. Non, en fait, mais Neonox, c'est du mind game. Il y a rien à dire. Je disais Neonox, oui. Neonox, il panique beaucoup quand il voit le Don B2. Oh, c'était stupide. Et il est remonté, mais what the fuck? C'était stupide, ça. Mais ce que je disais, que Neonox, il panique tellement quand il y a un Don B. Il va genre rester là, il va pas savoir quoi faire. Complètement ouf ce truc, mais what the fuck en vrai? C'est quoi ce bordel? Ah si, GG, bah oui GG, ouais. Ça fait quand même 2-0. Ouais. Neonox, tu défends ta première place au classement, je te préviens. Bon, t'es large, hein. T'as encore du mou, mais il reste 5 journées, va falloir se battre. T'inquiète pas, je vais gagner les 5 prochaines. Oui. Je te souhaite, hein, après voilà. Si tu gagnes 5 prochaines, tu prends 50 points plus les points de game, les moyens. Mais il va falloir qu'Acid fasse vraiment de la merde. Ouais, je suis ça chaud, je bats Acid, hein. J'en ai aucune idée, j'ai jamais affronté. Non, non, mais il est chaud. Il a gagné les deux dernières éditions, il a roulé sur le truc. Hein. Je sais pas. Shoryuken. Shoryuken en mode là-haut, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin, Shuriken pas fort. Ouais. C'est ça, juste. Ah, je crois qu'on a fait ça Shuriken Mou, moi. Shuriken Mou. Shuriken Ken. Shuriken. Ça a tout une ride, mais non. Une ride, sans de ride, une roll panique. Oh bordel. Ça tente. D'accord. Et... C'est donc ceci. Brr brr brr. Bah, le flèche qui touche. Bon.
En tout cas, Nonox qui m'a l'air un petit peu plus confiant là. Ah bah là, au bout d'un moment, il y a plus tellement de choix, faut qu'il y aille. Hein. Oh non, pourquoi ce side B? Ça remonte beaucoup au side B, hein. Le problème c'est que le side B, j'ai l'impression que c'est un peu approximatif pour choper la ledge. Si tu la rates, tu tombes devant le mec comme un gland, n'est-ce pas, Xeno? Et mais tu peux incliner. Ça, c'est une belle rite. Franchement, pour l'avoir joué plus d'une semaine, c'est quand même compliqué. Enfin, faut vraiment avoir bien train pour les placer correctement à chaque fois sur elle. Moi, je sais pas, je mets juste un dance throw, side B, ça passe. Bah, je croyais que c'était un personnage qui était pas trop dur à jouer, donc finalement. Bon, c'est simple à jouer, ça me pourrait être simple à masteriser, mais t'as des techniques un peu plus avancées qui sont là pour plus dur. Ah bah ouais. Sinon, tout le monde jouerait Wolf, hein, j'imagine. Oui, bon, c'était un peu le cas, mais oui. Putain, mais c'est ouf ça, à travers le stage Kunkun. Mais carrément, genre à 3 mètres du bord, c'est ouf. Aïe. Baxro qui a pas tué du coup. Chouri, oh, ça sert à pépinière ça. Avec un grab, ça aurait pu toucher. Aïe aïe aïe. La roll panique là. La roll panique. C'est quand tu paniques, tu fais une roll. Voilà. Bon, je crois que c'était ça s'expliquait de par soi-même. Ah non, je peux faire R2. Ah, compliqué. Nom de Zeus. Nom de Josh Martin. Alors que Ken a l'air assez satisfait du résultat. Bon. Et c'est donc merci lui online. Ah. Pourquoi? Que s'est-il passé? Bah, je pense son RG a été buffer à cause du online. Ah, si possible. Voilà, ouais, c'est ça le buffer. Ouais, le buffer. Ah, bah oui. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Bah, après, on se bat avec les armes qu'on a. Hein. On se bat avec les armes qu'on a. Je pense que c'est un peu le même tarif pour tout le monde. Hein. Donc, du coup, Seed Falcon. Et pour la première fois, Neonox qui s'est. Ah non, deuxième fois d'affilée, Neonox qui se rate au porte de la finale. Et donc nous entrons Sid, tu peux rester. La grande finale, nous y voici, nous y voilà, la grande finale. La grande finale donc Mister contre Megaman. Acid Folk. Alors mec, si c'est ce que je crois, on va rigoler. Mega Homme. C'est Mega Homme. C'est Mega Homme. Tu vas voir. On y a eu le droit la semaine dernière, on a bien rigolé. 3, 2, 1, et donc c'est. On est dans la grande finale et c'est Acid Falcon qui revient de Loser Bracket. Et bim. Et voilà. Et ma foi, une finale haute en couleur, j'ai envie de dire. Ça reste que c'est une très 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 belle finale. Bon chance. Tu serais pas mort si on avait été en off. Ah. du coup, bah oui, hein. Ouais, bah oui, oui. Le problème, c'est que tu vois, hein, un Neonox, le truc, c'est que. Enfin, je t'apprends rien, mais. Le lag, en fait, il suffit tellement rien, en fait, pour que ça baise. Il suffit de rien, de rien, de rien. Alors là, c'était pas un problème de lag, c'était un problème de buffer. Oui. Bah, ça vient entre John Line, le buffer. Ouais. Du coup Xeno t'es pas dans l'arène, est-ce que tu veux que je stream le match je suis lancé très vite mais je peux la rejoindre pour la prochaine. Non mais je vais streamer sur le Discord en fait. Ah non s'il y a une place c'est mieux dans l'arène, ça va moins compter tes performances. Ah oui c'est vrai, bah oui pas con. Bah oui pas con, non mais c'est lui, bah oui parce qu'il est en train de jouer donc du coup c'est carrément bien. C'est ça. Bon. Moi j'aime plus tes bruits de fond. T'es quoi? J'aime plus tes bruits de fond moi. Ah oui, bah écoute, c'est l'histoire d'un mec. Bruit de fond, ça tombe bien, il y a ma femme, ma fille, qui paye la belle famille. C'est toute la smala là, en train de causer sur Skype, tu vois. Et du coup on se souvient hein, du méga homme de Falcon qui avait fait des gros 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 dommages la semaine dernière. Assez fat d'ailleurs, qui avait fait des bails. Ah,
des bails assez gueudins. Alors que Mister se met déjà dans une bonne position pour gagner cette première game. Sachant qu'il est le winner. Winner bracket, c'est quand même assez ouf. Parce que ça donnerait une bonne petite option sur la grosse victoire finale. Une victoire finale. Et voilà. Ouh. Oh là 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 là. GG. GG. 1-0. Pour Mister. Putain, vous êtes tellement des ninjas les mecs. Vous tapez GG dans le chat à une vitesse, c'est trop. Tout fast. Ouais, moi j'ai stream juste à côté donc. Non mais ça rend fou. Mais même moi, je regarde le stream et c'est déjà écrit GG. Vous rendez fou. Ouais. Et donc 1-0 pour Mister. Alors donc, beaucoup. Alors à savoir que moi j'ai vu Falcon deux fois. Prendre 2-0 en loser. Et mettre 6-0 derrière. Pas de pression. Captain, good luck. Ah, ouh, on passe aux choses sérieuses. Allez, je traîne avec W, c'est devoir aller. Tout à l'heure, il a prévenu, il a dit, si c'est comme ça, je prends le Megaman et plus personne va s'amuser. Parce que la semaine dernière, du coup, dès qu'il a pris Megaman, c'était moins marrant. Premier coup, ah putain, en 3 coups Rob ça égalise, mais c'est un truc de fou. Après on parle de la puissance de Ganon, mais sérieux. Rob ça a tellement de puissance aussi, c'est assez niqué en vrai. Non, ça met juste des multi, sinon ça va. Oh mais c'est pété. Ah, du coup t'as réussi à rejoindre le live, Xena. Je suis dedans. Bon c'est cool. Top. Putain, alors que là j'ai cru qu'il était mort en vrai Falcon, hein. Là je l'ai vu partir vers le bas, j'ai fait what. C'est maintenant qu'il est mort. Et ça toi. Devenu tout pile Beyblade. D'ailleurs j'ai rematé Beyblade il y a pas longtemps. T'as rematé Beyblade. C'est de la merde dans Beyblade. C'est de la merde, genre ça fout le second degré mais c'est marrant. Oh yo, le combo 9% tout d'est. Comme disait JDG, achète ma merde. J'ai raté mon truc. La base. Aïe. Ah, ça combo, ça continue. Du coup, en fait, ce qui est marrant. Le smash qui finit par contre. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'envoie vraiment des grosses sessions sur grosses sessions sur grosses sessions en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'on a. En fait, ça se met des grosses tatanes et l'autre il remet une grosse tatane derrière, l'autre il remet une grosse tatane, il remet une grosse tatane. Ça c'est dingue. Ah bah comme on dit NES, c'est un jeu où on finit l'adversaire et donc une fois qu'il a ouvert sa garde, hein, on lui met la combo dans la bouche et les deux avant-bras autre part. Ah oui bah oui, les jambes tout pareil. Ah, mince, c'est derrière. Ah bah les jambes il faut. Ah non. Ah t'étais pas serein. Ah non je pense qu'il y a une sans exprès mais sinon j'étais vraiment. Non, en fait on a le. Tu sais on a un petit peu l'insight du finaliste, c'est un peu les yeux dans les bleus, tu te souviens? Vas-y, t'as quel âge, mec? 14. T'as 14 ans? Ouais. Je suis au bout de ma vie. Ah ouais, joli. 2-0. Fini sur un EPR. Oh là là. Putain, mais c'est fou parce que c'était compliqué, hein, pour le coup. On peut changer de l'ILAT. Du coup. Ouais, t'as qu'à prendre ta map. Y'a pas de ban, t'as qu'à prendre ta map, c'est tout. En fait, y a pas de ban, mais c'est 50-50 au niveau du pic. Parce que t'as ta map et en fait, voilà, il a sa map. Et normalement, c'est Go Pokémon Stadium 2. En vrai, c'est faire. Mener 2-0. Ah, ben normalement, les règles du tournoi veulent que, effectivement, le perdant peut choisir la map. Bon, normalement, il y a une phase de ban d'abord. Ça, c'est des règles de tournoi, ça. Ce tournoi-là, c'est normalement, les règles n'ont pas été établies comme ça. Après, moi, j'ai toujours dit qu'on peut.
si les joueurs en fait ils veulent se mettre cette règle là, ils peuvent se mettre d'accord entre eux, moi ça me pose aucun problème. Disons que pour une notion d'équité, je trouve ça pas plus mal parce qu'effectivement il y a des persos qui sont vraiment très forts sur certains styles et du coup te manger 3 fois de suite le même stage parce que t'as pas eu de chance, c'est un peu frustrant quand même. Certes. Ah ça, je suis pas un mort. Mais après encore une fois, c'est la première ligue donc les règles elles vont se définir au fur et à mesure. Oui bien sûr, c'est la première saison, on va essayer de... Le problème c'est qu'on a commencé comme ça, donc moi j'ai pas envie de changer les règles de base, tu vois, pendant que des gens ils viennent et puis ils disent « Attends, mais moi quand j'ai joué c'était pas comme ça, du coup j'ai perdu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Tu vois, vraiment essayer de... Ce qu'on peut faire, c'est essayer de soumettre un vote à la majorité pour voir ce que les joueurs en pensent et puis improviser en fonction, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi GL HF en fait? Coup de la gueule. Allez, d'accord. Allez, feignant les mecs. Moi je mettrais des majuscules, des points virgules et tout. Choisirais notre police, petite mise en page en souligné gras italique. Ah bon, je te voyais plus comme le joueur qui dit pas GG mais qui traite l'adversaire de gay quand il perd. Non mais ça c'est... Ouais mais moi je traite de gay avec des points virgules et des... Allez. Voilà. Allez, on est... Voilà c'est ça. C'est comme quand on va au tournoi et Claude il dit comment ça s'écrit Xenomnas. Oh là 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 là, deux fois! J'ai pas réussi. Aïe, ça passe là, je me retraite. Je suis hypnotisé, égalisé par égalité parfaite. Chaque fois c'est plus la manette, c'est pour ça qu'il arrêtait pas de faire des OB. Sérieux? Ah, c'était la manette, mec! Problème de manette, biche-bois? Ah, bah ça. Ça en rappelle, moi ma manette, j'ai une PDP qui est très bien, hein, qui m'a bien servi pendant quelques temps. Et mon... En fait, elle a décidé de faire des shields. Quand j'étais en dehors du stage, ça faisait des shields. Donc du coup, je peux pas remonter parce que... C'est dégueulasse. Et je mourrais beaucoup comme ça. Le laser. La toupie qui finit normalement. Avec le petit. Ouais. Le saut était déjà parti. C'était dans le sort de Captain Falcon. Aïe, aïe, aïe. Et là ça grind est dommage, hein. Bon, bah, clairement l'avantage, il en profite. 70% de gratuit. Pour préparer la prochaine stack. Toute prochaine stack il y a. Et du coup si ça... mon travail d'amis serait passé, ça aurait pu tuer. Ça joue pour la win, hein. Ça joue pour la win. Je crois que ouais, c'est une des finales les plus sérieuses qu'on ait dû avoir depuis le début. Bah c'est surtout une finale, ça serait la première finale perdue de Falcon. Ça aurait été, putain. Ah là j'ai charpelé. Ouh. Et incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Magnifique. C'était nom de très, Zeus très d'un cul, c'est ouf. Et c'est donc une victoire. 3-0. C'était très haut. Première participation, je gagne, je suis content. Bah c'était un petit peu comme Falcon qui lui a fait deux fois. Et voilà. Oulala. Et puis du coup, si Falcon est chaud, il peut venir pour un petit débrief des finalistes. Il est parti tellement vite. Il aurait pu venir en débrief finaliste s'il était chaud. Il peut venir sur le vocal en fait, si le désire. Apparemment, il est plus chaud à faire une arène d'après ce qu'il dit dans le vocal, dans le chat pardon de. Go faire une arène. Ok, bah c'est comme il veut. Bah c'est comme il veut. Mais s'il veut venir débrief, il veut. En tout cas, Mister, GG à toi de ouf. Bah, vraiment de ouf, hein. Putain, what the fuck. Va falloir que je mette les points un peu plus tard, mais voilà. C'était... Ah, Acid Falcon qui est là. Allo. Ouais, allo. Ah, comment allô, ça va? Welcome, gros. Ça va, les gars?
Putain, mais quelle finale, bordel! C'était serré trois fois, ouais. Hein. Je connais pas du tout le match-up, j'étais un peu handicapé, mais bien joué. Franchement, bien joué. Ah, ouais, c'était... c'était propre. Et j'ai à toi, surtout. Bah, je crois qu'on a... Bon, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a un très bon Falcon, et on a eu un très très bon Rob aussi derrière. Hein. Oui, c'est ça. Et c'était du assez... Du coup, je voulais me permettre de classer un truc par rapport à l'embrouille qu'il y a eu tout à l'heure. Oui, vas-y. Moi, je me tue, en fait, depuis le début du confinement, à expliquer aux gens qu'ils n'ont pas à considérer leur niveau ou à essayer d'établir un résultat sur le niveau des autres avec le online, en fait. Ça, c'est important de le noter. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça que, genre, forcément, un mec qui est bon avec son perso en off et qui joue en on sera moins bon en on, parce que le on, mm-hmm. c'est le on et le off, c'est le off. Voilà, donc ça, déjà, c'est important juste de le mettre au clair. Oui. Et ensuite, vraiment, genre, ne pas établir de niveau de l'autre en fonction des games faites online, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est important. Voilà, c'est tout. Ok. Bah écoute, c'est clair. En tout cas, je suis super content, franchement, hein, que déjà vous ayez un petit peu dégonflé un peu le bordel, parce que c'était un petit peu parti loin. Mais bon, c'est cool. Je savais que. Voilà. Un petit commentaire par rapport à ça, c'est que effectivement, il peut y avoir des contentieux, mais les contentieux ne se règlent pas à la vue de tous. Hein. On lave pas le linge sale devant tout le monde. On le lave en MP sur Discord ou par un autre moyen. Voilà. Non, mais c'est classique, c'est juste, ça clash dans le chat, voilà. Déjà, je suis pas en train de râler sur la côte, tu vois. Moi, déjà, de base, en fait, c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais je suis un joueur de off, et je sais bien jouer en off. Le on, mec, n'importe qui peut prendre des games, le meilleur joueur du monde s'est fait battre par une plante piranha, ok. Donc en fait, genre, il faut le prendre en considération, ça. Et du coup, genre, quand t'as... Ça, Nairo a perdu contre une plante piranha. Et qui dit, ah, il est salé, bah... Franchement, alors que de base je râle pas sur la coupe, bah franchement ouais, genre, sur le moment je lui ai dit ferme ta gueule, parce que bah, c'était pas l'esprit à avoir, et en plus de ça, genre le fait que moi je sache jouer et que lui il est juste là en mode je commence le jeu, ah t'es salé, enfin direct il y a un esprit que j'aime pas et que je reconnais pas déjà de base dans la Ligue des Tontons, oui. Et du coup bah voilà, c'est pour ça que j'ai insisté, mais... C'est sûr. Je m'excuse et je m'excuse encore. C'est sûr que dans la Ligue des Tontons, on promeut vachement vraiment l'esprit de on est là pour s'amuser avant tout, de toute façon. On est là pour progresser, exactement, pour s'amuser, progresser et passer un bon dimanche, c'est le principal. Et donc oui, voilà, c'est ça en fait. En vrai, c'est ça. C'est, tu sais, c'est un peu tu finis ton dimanche, t'as fini de manger, tu regardes Stade 2 vidéo gag, et c'est un peu pareil. Voilà. Vidéo gag pour ceux qui ont moins de 25 ans, vidéo gag c'est peut-être compliqué. Enfin bon. En tout cas, je vous remercie les gars. Moi je vais faire juste un petit arrêt stream et puis je vais reprendre, on se fait une arène. Ça vous chauffe? Bébé, monsieur PA, de faire une arène. Allez, écoute, cette arène, je la laisse ouverte et on se tabasse ça. On fait comme ça. Les gars, je vous remercie d'avoir joué. Je vous jure, à chaque fois c'est un plaisir. C'était presque parfait. Ouais, c'est cool. Merci à toi, bro. Mais dimanche prochain, si vous voulez, la même, il reste 4 tournois dans la première saison. 4 tournois, on a déjà fait 6, putain. What the fuck? Enfin, putain, celui-là, il a terminé au poil de cul. Bon, j'arrête, je coupe le stream et je reprends direct derrière et on va se tabasser en mode normal, tranquille, quoi. Allez, bisous à tout le monde. Merci à vous. Je propose que tu ailles dans le vocal entraînement, histoire de rejoindre TPHB et de faire venir du monde. Ça roule. À toutes. Ça marche.